Voilà, bonjour Ricardo. Bonjour Pascal, enchanté pour cette deuxième question. Oui, vraiment un plaisir. La première partie, je pense, était très, très didactique et reprenait en fait les dérives du bouddhisme à travers notamment ta propre expérience, puisque tu es né au sein de l'OKC et donc tu y as vécu pendant pas mal d'années. En fait, dans le sud de la France, et tu nous avais également raconté la manière dont toi et d'autres personnes, d'autres enfants en étaient sortis, et puis du coup, le combat que tu avais mené d'abord en Belgique à l'encontre du gourou en fait de l'OKC, un certain Spatz, donc procédure en Belgique qui est terminée avec un arrêt de la cour d'appel de Liège de décembre 2020. Et maintenant, il y a une instruction donc, qui est en cours en France et à l'égard de laquelle tu vas également te constituer partie civile pour suivre évidemment ce procès de près. Et ici, en fait, l'idée, Ricardo, était de faire comprendre peut-être justement ces dérives, ces abus spirituels et sexuels dont tu nous avais parlé lors du premier entretien, de comprendre finalement quelle en était l'origine. Il me semblait évidemment que pour en comprendre aussi l'origine, là où les origines, il est évidemment important de comprendre dans un premier temps ce qu'est le bouddhisme, quelles sont ses règles, de quoi il est constitué, dans quel contexte le Bouddha est né, quels ont été les écrits et éventuellement également les différentes formes de bouddhisme pour qu'on puisse comprendre un petit peu, je dirais, cette nébuleuse et du coup d'où l'on parle. Alors, avant de te laisser la parole, je voulais quand même d'ores et déjà faire référence à un ouvrage qui, à mon sens, fera date et qui est en lien avec le documentaire d'Arte qui est paru, en tout cas qui était disponible depuis avril 2023 sur la chaîne Arte, Le bouddhisme, la loi du silence. Il y a un livre qui porte le même nom et qui est rédigé donc par ces deux journalistes qui sont à l'origine du documentaire. Donc, un livre qui s'intitule également Bouddhisme, la loi du silence, qui est paru chez JC Lathèse en septembre 2022. C'est une enquête en fait de 11 ans qui reprend les témoignages notamment de 32 victimes qui révèlent l'existence d'un système qui a couvert pendant 50 ans des maîtres bouddhistes adoubés par le Dalai Lama. Et avant d'entamer notre propre échange, je souhaitais quand même planter, je dirais, un petit peu le décor au travers justement de ce quatrième de couverture qui donne déjà un petit peu une idée de ce qu'on retrouve dans le livre, mais de ce qu'on va retrouver aussi du coup à travers notre propre échange. Le quatrième de couverture dit ceci: aveuglé par son enthousiasme, l'Occident l'aurait presque oublié. Le bouddhisme est une religion avec ses dogmes, ses promesses de salut et ses menaces d'enfer. Pour espérer atteindre l'éveil, l'équivalent de la grâce dans la chrétienté, les disciples du bouddhisme tibétain doivent obéissance et dévotion à un maître. Alors, pour comprendre effectivement comment on peut imaginer une telle obéissance de la part de disciples, venons-en sans plus tarder, Ricardo, à la première question qui se pose ici, qui est finalement la naissance du Bouddha et les écrits qui sont à la base du bouddhisme. Oui, alors voilà, donc moi je tiens aussi à préciser que moi je ne suis pas un expert, hein, je parle de ma propre expérience. Alors évidemment, voilà, je suis né dans une communauté bouddhiste et la première religion dans laquelle j'ai été éduqué dès mon plus jeune âge a été le bouddhisme tibétain. Et le bouddhisme tibétain ne peut pas exister sans le bouddhisme d'origine, dans ses origines indiennes. Et donc voilà, je mets ce préambule pour ne pas... voilà, moi je suis loin d'être un expert et j'espère qu'avec les informations qu'on a rassemblées ici, que le public regardant cette vidéo va pouvoir voilà, un peu s'y retrouver un peu mieux et savoir nous suivre dans la suite de ces échanges. Alors, le Bouddha, le prince Siddhartha Gautama, qui vient vraiment voilà, d'une famille royale, qui vit dans un, je dirais presque dans un univers complètement séparé en fait de la réalité de la majorité de la population dans ce qui peut être considéré le Népal d'aujourd'hui. C'est quand même quelqu'un qui va vivre voilà presque plus de 20 ans de sa vie d'une manière complètement coupée en fait de réalité, de choses simples comme
Simplement, la maladie, la vieillesse, la mort, c'est quelqu'un qui va rentrer en contact en fait avec ses fondamentaux, je dirais, de l'existence humaine très fort sur le tard. Et donc, en fait, quand il va prendre conscience surtout voilà, de la notion de la vieillesse, la maladie et la mort, c'est ce qui va vraiment le confronter, on va dire, à la réalité de l'existence, et il va se demander quel est le rôle de la vie, quel est le sens de la vie, et comment sortir en fait du cycle de la souffrance en fait. Et c'est en fait tout ce qui va fonder en fait toute sa démarche spirituelle, sa quête spirituelle en fait va être fondée sur cette prise de conscience, on va dire, ces trois, quatre grands piliers d'une prise de conscience très très tardive sur la condition humaine. Je pense que dans ses débuts, il est aussi quelqu'un qui va aller dans des formes d'ascétisme plutôt très sévères, en fait, très radicales même, et que ces différentes expériences dans son approche ascétique qui vont le faire revenir sur une voie du milieu où il va arrêter de prôner cet ascétisme et qu'il va essayer en fait de construire en fait toute sa réflexion et tout ce qui va par la suite devenir le bouddhisme. Les textes qui émanent de ces enseignements se constituent bien après sa mort. Et que en fait pendant plusieurs siècles en fait les enseignements du Bouddha sont des enseignements oraux qui sont transmis de manière orale de moine en moine, en quelque sorte, qui vont être en fait en quelque sorte des espèces de bibliothèques vivantes de ces enseignements. Et ce n'est que par la suite qu'il va y avoir tout un processus d'écriture de tous ces enseignements, parce que il faut préserver les enseignements du Bouddha et qu'il faut les préserver non seulement du fait qu'il y ait une déformation, mais aussi que peut-être d'autres, enfin que différents courants s'en emparent et essaient de se les approprier pour eux-mêmes, on va dire. Et donc c'est dans ces conditions-là que petit à petit les enseignements vont être mis par écrit Mais c'est vrai aussi, quand même, Ricardo, parce que tu parles effectivement ici d'une mise par écrit des enseignements du Bouddha, plusieurs centaines de siècles après la mort du Bouddha. Donc la question évidemment se pose de la fidélité avec laquelle les propos sont rapportés, en sachant aussi, je pense, que voilà, il y a une sorte de récit mythique, comme dans toutes les religions, qui est quelque part inventé. Et je lisais notamment que par rapport à ces écrits, enfin, c'était un mélange notamment de métaphysique, mais également de légendes, légendes notamment concernant conversations avec les dieux, ou encore une téléportation instantanée au Sri Lanka. Ça, c'est quand même des éléments qui font partie, je pense, de la biographie du Bouddha, mais qui en tant que tel évidemment sont contestables. Donc il faut peut-être distinguer entre la réalité aussi, du coup, et la légende autour. Oui, je pense qu'il y a, voilà, comme dans tous les genres, ce genre de processus presque prophétique ou mythique, on se retrouve avec un mélange effectivement, de légendes et un mélange de faits historiques. Et même ces faits historiques aujourd'hui sont vraiment difficiles à dater avec précision. Hein, donc c'est sûr que comme dans, je pense, toutes les religions, on se retrouve en fait avec une part en fait qui a été construite bien après la mort de l'individu en question, quoi. D'accord. Mais bon, tous ces textes vont finir par être compilés, vont finir par être écrits, et le bouddhisme va se répandre. Il va se répandre en Chine, il va se répandre au Sri Lanka, il va se répandre dans toute l'Asie. Je ne vais pas faire l'histoire du bouddhisme lui-même, il y a suffisamment de bonnes vidéos sur ces questions, mais si on revient vraiment à ce qu'est devenu le bouddhisme en tant que religion et philosophie spirituelle fondée sur les enseignements du Bouddha, on se retrouve avec
des principes vraiment de base qui sont fondateurs, on va dire, du bouddhisme tibétain, enfin du bouddhisme tout court, pardon. La notion des trois joyaux, donc le Bouddha, fondateur et guide spirituel du bouddhisme, le Dharma, qui sont les enseignements du bouddhisme, et la Sangha, sont la communauté des pratiquants bouddhistes, les moines, mais aussi les laïcs. C'est par la suite, en fait, que les enseignements du Bouddha sont compilés, et les quatre nobles vérités et l'octuple sentier, en fait, c'est, on va dire, c'est vraiment les deux piliers, on va dire, qui font partie, on va dire, de l'enseignement du Bouddha, et qui sont, en fait, aussi, qui découlent, en fait, de sa prise de conscience précédente, notamment sur la vieillesse, la mort et la maladie, et le fait que la souffrance, en fait, est perçue comme étant, voilà, la souffrance est partout, en fait, et que la seule façon de s'en libérer serait via la pratique des enseignements, via la pratique du dharma. Et donc, il y a ces quatre vérités qui sont, voilà, qui sont fondamentales. La vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et la vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance. Ces quatre points principaux, en fait, ils sont partagés. C'est-à-dire que le bouddhisme tibétain, il prend aussi cette base-là comme fondation, tout comme il prend l'octuple sentier. Qui est donc le quatrième point précédent, qui ici est décrit en fait comme étant toute une série de préceptes en fait qui sont prépondérants ou qui sont même des prérequis en fait à un bouddhisme véritable quoi. Et donc on se retrouve avec déjà quelque chose de déjà très organisé hein, où la compréhension, la pensée juste, la parole juste, l'action juste. Tous ces préceptes en fait vont en fait influencer et vont être les bases de toutes les formes de bouddhisme qui s'étalent en Asie et ailleurs dans le monde quoi. C'est ça. Par rapport justement à la souffrance qui doit être quelque part entre guillemets éradiquée grâce à l'éveil pour arriver au nirvana, tu en connais l'origine en fait. Bon, dans le christianisme, évidemment, la souffrance est consécutive au péché originel et donc c'est le système qui permet un petit peu de comprendre la souffrance et la manière de l'éradiquer. Mais pour le bouddhisme, en fait, cette souffrance, elle vient d'où? En fait, moi, je pense que pour le bouddhisme, cette souffrance, enfin, cette prise de conscience, en fait, que la souffrance voilà, fait partie complète de la vie, elle provient aussi de la prise de conscience du Bouddha lui-même sur la nature de la vie humaine, qui est quand même, on va dire, marquée par des éléments fondateurs. En fait, ici, je vois ascétisme. En fait, premier point, c'est la naissance, en fait, la vieillesse, la maladie et la mort. En fait, ces quatre points, la naissance, vieillesse, maladie et mort, en fait, sont perçus par le jeune Gautama et puis par la suite par le Bouddha comme étant des espèces de piliers qu'on ne peut pas échapper, en quelque sorte, à la condition humaine. Et c'est suite à ça, en fait, que vont se développer non seulement les quatre nobles vérités, mais l'octuple sentier. Dans le but de, ben, si on voudrait atteindre l'éveil, alors il faut développer une manière de se comporter et de vivre sa vie d'une manière juste, afin en fait de limiter les souffrances qu'on pourrait provoquer à d'autres via nos actions, et donc d'accumuler du bon karma, de se rapprocher en fait d'une manière de vivre qui serait totalement en accord avec les enseignements, qui pourrait amener à un éveil. Et donc, dans tout ça, le cycle des existences dans le bouddhisme, il est en quelque sorte, ben, il est un concept fondamental, mais qui permet en fait de renaître et d'exercer en fait différentes itérations en fait de sa vie dans le but de chaque fois évoluer. Et c'est cette évolution-là qui est au centre en fait de la quête spirituelle à travers le chemin bouddhiste, où l'individu, en fait, va
va renaître afin de chaque fois se perfectionner dans sa quête spirituelle. C'est un cycle de renaissance pratiquement sans fin, parce que bon, j'imagine quand même que il est difficile d'un cycle à l'autre de se dire qu'on a atteint la perfection et finalement on finit toujours par commettre des fautes, faire du mal à autrui, faire du mal à des animaux. Donc, comment on sort de ce cycle finalement si on en sort? C'est là effectivement toute l'énigme et l'équation quasi impossible du bouddhisme, puisque, et c'est peut-être aussi pour ça que le bouddhisme tibétain va essayer de trouver des raccourcis, on va dire, pour atteindre ce fameux éveil, en passant par des pratiques X et Y qui sortent en quelque sorte déjà on va dire, du canon de base du bouddhisme. Pour ça, en fait, le bouddhisme a cette notion de causalité, qui est la notion de karma, qui en fait n'est pas censée être une punition, n'est pas censée non plus être une banque de bonnes actions et de mauvaises actions, qui peut aussi être mal utilisée. C'est-à-dire que un individu ou un maître, en fait, qui aurait une bonne intention, mais qui ferait quelque chose de négatif, si cette bonne intention elle est présente et qu'en plus de ça il est reconnu comme un maître spirituel, alors on pourrait presque dire que son action transcende en fait les lois conventionnelles en fait de la réalité, comme si elles étaient subjectives. Et en principe, le karma est censé régir la manière en fait dont les adeptes du bouddhisme se comportent. Et donc effectivement, tout est sujet à être comptabilisé. C'est-à-dire que effectivement, vous marchez, vous allez écraser des fourmis ou j'en sais rien. Et c'est comme s'il y a toujours une réponse, il y a toujours une manière d'aller par de là en fait chacun de ces problèmes en disant oui mais vous faites le bien autour de vous et pour faire le bien autour de vous, vous devez forcément prendre un avion ou prendre une voiture. Et dans ce déplacement, il va y avoir des êtres qui vont mourir, mais l'acte plus grand, en fait, d'aller potentiellement propager le dharma, donc l'enseignement, prend le dessus, en quelque sorte, sur le fait que pour simplement marcher, vous allez, d'une manière indirecte ou directe, vous allez tuer des insectes et autres. Et donc le bouddhisme va donner, en fait, un moyen d'articuler en fait une manière de passer outre et d'agir en fonction de tout ça, tout en tenant compte de ce qu'on ne peut pas éviter, on va dire, et qui va un petit peu qui va un petit peu gouverner la manière dont l'adepte du bouddhisme va adhérer à la religion, en fait. Parce que le karma, évidemment, est une notion centrale dans le bouddhisme. Et ça me fait du coup songer, Ricardo, au témoignage d'une ex-victime qui avait donné son témoignage devant la cour d'appel de Liège et qui expliquait justement cette notion de karma en disant que finalement, si elle avait été violée dans son existence actuellement, c'est qu'elle avait sans doute elle-même commis un viol dans une vie antérieure et que donc c'était une façon pour elle de réparer cette mauvaise action. Donc on arrive quand même à un système complètement fou où finalement la victime est réellement victime, mais en même temps doit se dire que quelque part elle ne fait que réparer quelque chose qu'elle a elle-même commis par le passé. Donc c'est une culpabilité quand même extrême. Ah oui, non, alors c'est surtout ce que cette victime faisait référence dans le documentaire, c'est surtout une dérive complète en fait de la notion du karma à des fins justement pour justifier de l'abus. Je pense que le karma dans son voilà dans sa notion originelle le bouddhiste n'est pas linéaire et justement donc ne, on peut pas dire ah j'ai subi ce viol parce que j'ai violé X dans une autre vie, c'est pas du tout aussi linéaire que ça. Par contre, en Occident, il y a vraiment une manière de mal interpréter la notion du karma et de le voir non seulement comme d'une manière hyper linéaire, comme en plus de le voir, je dirais, comme une banque, quoi, en quelque sorte, où il y aurait des bonnes actions d'un côté, des mauvaises actions de l'autre, et alors on peut échanger de mauvaises actions contre des bonnes actions. Tout ça, en fait, toutes ces notions et ces mauvaises interprétations qu'on peut retrouver en Occident, mais pas qu'en Occident, en fait, elles finissent par articuler des formes d'abus, comme on va le voir par la suite.
qui sont clairement, clairement utilisés dans le cadre de, voilà, de la dérive OKC, mais qu'on retrouve aussi chez Rigpa, qu'on retrouve chez Shambhala, qu'on retrouve en fait dans toutes les formes de dérive qu'on peut trouver du bouddhisme, et pas que du bouddhisme tibétain, on va se retrouver à l'utilisation du dogme, en fait, pour justifier l'abus. C'est presque un standard entre les différentes formes d'abus, indépendamment de l'école, indépendamment du courant religieux, que ce soit zen ou autre. On va retrouver en fait des utilisations du dogme afin de justifier l'abus. Et ça, c'est ce qui rend en fait c'est ce qui rend le dogme en fait terriblement toxique pour l'adepte, vu que c'est comme s'il était enfermé et qu'on lui donnait une manière de comprendre et de justifier l'abus qu'il est lui-même en train de recevoir. Et donc, en fait, ça le maintient dans une situation toxique et d'emprise où il n'est on lui donne pas les clés en fait qu'à la base le Bouddha aurait bien mis en avant, de toujours utiliser son discernement, de toujours vérifier un peu par soi-même. Et c'est en ça en fait qu'on prête au bouddhisme des aspects de philosophie ou même presque de science spirituelle, où en fait on dirait via la méditation il faut constamment surveiller ce qu'on perçoit, il faut constamment surveiller ses propres actes, il faut constamment avoir la pensée juste, il faut donc utiliser les quatre nobles vérités et l'octuple sentier pour constamment être dans l'observation de ses propres comportements, de ses propres pensées, de ses propres actes, et donc de constamment être dans une tentative de les mettre en pratique, tout en étant conscient de nos capacités et limitations humaines. Sauf que, à partir du moment où on rentre dans une relation, on va dire, de maître à disciple, où en fait on n'est déjà plus en train de suivre les préceptes du Bouddha en utilisant le Bouddha comme support, mais là on est déjà dans une relation de type bouddhisme tibétain où le gourou racine, le lama racine, va prendre une part prépondérante en fait dans cette espèce de triptyque en fait entre ce qui est censé être Bouddha, Dharma, Sangha, donc le Bouddha lui-même comme autorité spirituelle parfaite, le Dharma comme représentant sa parole parfaite, et la Sangha comme étant la communauté des pratiquants qui en principe, si elle suit le Bouddha et le Dharma, elle est censée être aussi dans une manifestation quasi parfaite de ses enseignements, et donc ne pas se retrouver en fait dans des mécanismes d'abus où elle participe d'une manière directe ou indirecte en fait à l'abus articulé par le lama qui finit par prendre la place du Bouddha. Je pense que là en fait on s'approche du bouddhisme tibétain. Donc avant d'aller vers le bouddhisme tibétain qui est le prochain slide, juste un point sur le fait que le bouddhisme peut tout à fait pratiquer d'une manière laïque, donc pas comme moine, pas comme nonne, et qu'on pourrait résumer par ces quelques points ici, où à chaque fois, en fait, on va retrouver des grands piliers, comme dans d'autres religions, hein, s'abstenir de mauvaises conduites sexuelles, s'abstenir de mensonges, de voler, tuer, etc. Donc tous ces principaux points, en fait, peuvent tout à fait articuler une recherche spirituelle dans le bouddhisme qui peut s'apparenter à une philosophie de vie personnelle où le pratiquant ou l'adhérent il est dans une relation entre lui et cette philosophie ou lui et cette religion, mais il ne rentre pas dans une communauté, il ne rentre pas dans une relation de maître à disciple spécifique avec un individu. En quelque sorte, c'est comme si c'était une recherche spirituelle personnelle, individuelle, qu'il met en pratique pour lui-même et potentiellement pour les autres autour de lui. Et il ne rentre pas dans des dynamiques, en fait, où on peut retrouver par la suite des dérives sectaires, puisque, en fait, il reste maître, en quelque sorte, de son vécu, de sa stabilité à tous les niveaux, psychologique, financière, voilà, une vraie autonomie, etc. Et dans ces conditions-là, le bouddhisme peut avoir des éléments
vraiment intéressant pour essayer de mener une vie par rapport, enfin, qui soit en intégrité avec ses propres valeurs, d'une manière, on va dire ça, simple, en fait. Et c'est quand on sort de ça, justement, et qu'on rejoint, ben, justement, des sanghas, des centres du dharma, des centres, allez, des communautés, et qu'on finit par adhérer, en fait, à quelqu'un en particulier, que, en fait, on mine de rien indirectement en fonction de qui, vers qui on tombe, on peut vraiment ouvrir la porte à des dérives qui peuvent aller de plein, 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 plein de niveaux. Moi, je connais des personnes qui se sont fait abuser dans le bouddhisme tibétain simplement dans le temps qu'elles ont voulu donner à un centre en partageant leur temps, leur bénévolat. Elles donnent du bénévolat à un centre, elles travaillent pour un centre, elles finissent par vraiment faire tourner en quelque sorte le centre. Et dans cette situation, il y a déjà une forme d'abus, même si ce n'est pas directement envers un maître en particulier. Mais on est déjà dans une forme d'exploitation, en fait, de la personne qui donne de son temps, qui donne de son énergie, qui donne peut-être même de la valeur qu'elle-même, elle peut acquérir ailleurs, via son travail ou autre. Et donc, on peut tout à fait se retrouver dans des logiques, on va dire, d'abus, comme on peut le voir il y a récemment, là, un énorme temple en Thaïlande, où, en fait, les abus qui sortent de ce temple ne sont pas de type sexuel, en tout cas ceux qui sont connus ne sont pas sexuels, et tout est axé sur l'argent. Donc en fait, on est vraiment dans une ponction monumentale de l'argent des fidèles, où on leur fait croire que s'ils donnent, font des offrandes, s'ils donnent autant, en quelque sorte, ils vont se racheter du bon karma, que ce bon karma, il va en quelque sorte dans une réserve, et que eux, dans une future vie, eh ben, ils vont pouvoir bénéficier de ce bon karma. Donc on peut tout à fait tomber dans des dérives dans le bouddhisme, sans que ça soit du bouddhisme tibétain, sans que ça soit de type des bouddhismes de type Vajrayana, et ça peut se limiter simplement sur une exploitation, en fait, de la notion d'offrande, qui peut se retrouver voilà complètement exploitée à des fins ensuite qui ne bénéficient ou bien que le centre en lui-même, ou dans la plupart des cas la direction du centre, ou même parfois encore plus haut, le fondateur principal, en fait, du centre, comme c'est le cas de ce centre en Thaïlande, où vraiment il y a une extorsion organisée d'argent à une dimension nationale, quoi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste en train d'arnaquer 300 personnes qui ont décidé de vous rejoindre. Vous devenez un centre avec une visibilité internationale, nationale, et des dizaines, des centaines de personnes, des milliers de personnes viennent, en fait, faire des offrandes en espérant X et Y, et le centre ne fait que s'enrichir, en fait. Et les principaux fondateurs ne font que s'enrichir et vivent dans une manière de vivre, en fait, qui n'a plus rien à voir avec du bouddhisme et qui est déjà, en fait, une forme de dérive, même si on n'y retrouve pas typiquement, voilà, les abus sexuels ou autres formes plus criminel, en fait, de forme de dérive. C'est ça. Mais le bouddhisme en tant que laïc, pour revenir un instant à cette notion, entre guillemets, c'est déjà un bouddhisme finalement dévoyé. C'est un bouddhisme sur mesure pour s'implémenter dans des esprits occidentaux qui finalement sont un milieu de comprendre, de savoir quel est le bouddhisme, entre guillemets, originel. Pas dévoyé. Il y a toujours eu un bouddhisme laïque, même en Inde, au Népal. Il y a toujours eu on va dire cette interdépendance, en fait, entre la société dite laïque et les moines, qui dépendaient, en fait, complètement de la société laïque pour vivre, en fait. Ils venaient mendier avec leur bol à aumône, et ça c'est un grand classique qu'on peut retrouver dans toute l'Asie, en fait, où des moines bouddhistes viennent littéralement de porte en porte et sont en partie nourris dans leur quotidien par la société qui les entoure. Donc il y a toujours eu une interdépendance D'accord. entre ces différents aspects, et ça dépend où, et on ne peut pas tout mettre dans un grand bol, mais il y a vraiment des endroits où cette interdépendance, elle est tellement ancienne et aussi très établie et très codifiée que, je ne sais pas, dans un petit village, vous pouvez tout à fait retrouver
des personnes qui volontairement vont tous les jours au monastère ou au petit centre bouddhiste du coin et ils amènent de la nourriture, ils amènent des vivres, ils amènent des biens, ils amènent voilà, ce qu'ils pensent que le centre pourrait avoir besoin et le tout se vit dans une espèce d'interdépendance comme ça, très ancienne, où on peut ne pas retrouver d'abus parce que les moines ne sont pas en train d'amasser en fait des richesses. Oui, c'est ça. Pas en fait dans des dynamiques de voilà de je sais pas moi rapace en fait de Ah oui, il n'y a pas de captation, quoi. voilà c'est ça qui capte en fait sur la communauté qui les entoure des richesses qu'elles soient voilà de n'importe quelle nature qu'on veut et donc ça existe tout à fait et à côté de ça on a des systèmes beaucoup plus grands avec des monastères beaucoup plus grands où là en fait les besoins aussi du monastère sont beaucoup plus grands vous mettez des milliers de moines à vivre dans un seul monastère. Si chez nous, toute la société se mettait à vivre dans des monastères et que le reste de la société devait subvenir aux besoins de ce monastère, on se retrouverait forcément avec des dynamiques qui seraient pas saines, parce qu'en fait, on se retrouve avec une partie de la société qui est derrière quatre murs, qui est OK dans la pratique, qui est là pour se consacrer à une vie spirituelle, mais qui n'a aucune autonomie. Et donc, on crée en fait les fondations en fait pour des potentielles dérives sectaires, puisque voilà, il va y avoir un besoin significatif de moyens pour faire vivre toutes ces personnes qui sont dans une quête spirituelle. Et du coup, qui dit plus de moyens, ben, dit aussi une augmentation en fait des risques en fait d'abus de ces moyens et de voilà de toute l'approche en fait. L'approche d'origine, on va dire, qui permettait à ces moines de pouvoir se consacrer effectivement à une vie spirituelle, qui là peut-être dévoyée, on va dire, par la direction du monastère ou de la communauté, quoi. D'accord. Alors, bouddhisme tibétain. Le bouddhisme tibétain, il est divisé en. Allez, il est organisé plutôt par quatre principales écoles. La plus ancienne, qu'on appelle les Nyingma-pa, est celle qui a concerné Laokase. C'est aussi celle qui est concernée par la communauté Rigpa, la communauté Shambhala aux États-Unis. Donc, on retrouve en fait dans l'école Nyingma-pa un taux de dérive plus élevé que dans les autres écoles. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans les autres écoles, mais que chez les Nyingma-pa, en fait, c'est quelque chose de plus établi. On peut retrouver aussi que dans ces écoles, elles vont toutes suivre les bases du bouddhisme, hein, donc les deux véhicules de base qu'on appelle le Mahayana et le Hinayana. Et toutes ces quatre écoles vont aussi contenir des éléments du Vajrayana, qui est un petit peu allez, la distinction de l'école la plus ancienne, Nyingma-pa, qui est en quelque sorte l'école en tant que telle, on va dire, qui a toujours fait allez, circuler les enseignements ou les pratiques du Vajrayana. Tandis qu'on va aller chez les Gelug, les Sakya ou les Kagyu, et on va se retrouver, surtout aujourd'hui, on va se retrouver avec des méthodes d'enseignement qui sont plus de premier et deuxième niveau, où la notion justement de maître à disciple ou différentes mécanismes en fait qui pourraient amener à des abus sont moins élevés ou en tout cas pour des personnes qui rentrent en contact pour la première fois avec ces écoles dans un premier temps elles vont être mises en contact directement avec quelque chose qui ressemble plus à du bouddhisme d'origine où voilà l'accent est mis sur la compassion, la sagesse, la bodhicitta, la pratique, la méditation. Et on peut tout à fait en rester là. Et c'est quand on rentre dans d'autres dynamiques que voilà qu'on va se retrouver en fait à ce que des dérives en fait peuvent vraiment se mettre en pratique. Il y a des distinctions vraiment par rapport au bouddhisme de base, hein. Le bouddhisme tibétain, il a vraiment des textes et des enseignements qui lui sont propres. Qu'on ne retrouverait pas. Donc, on peut retrouver, par exemple, dans le bouddhisme, je sais pas moi, Shen ou Zen ou autre, ou Theravada, on peut trouver des penseurs ou des maîtres qui interprètent ou qui travaillent sur les enseignements du Bouddha et qui les rendent, on va dire,
disponible au plus grand nombre. Tandis que dans le bouddhisme tibétain, on a vraiment des textes, des enseignements, des pratiques tantriques qui font partie typiquement du bouddhisme tibétain, qui ne font pas partie nécessairement du bouddhisme provenant voilà, d'Inde et de ses origines, quoi. Tout comme d'ailleurs la notion de lama, de gourou racine, dans le bouddhisme tibétain prend un rôle vraiment central, alors que dans un bouddhisme Theravada, Mahayana, etc., on va se retrouver avec la triptyque Bouddha, Dharma, Sangha, qui est on va dire le cœur en fait de la pratique du Bouddha, du bouddhisme. Et on est moins dans cette dynamique en fait où il y a un lama, un gourou racine qui prend une place en fait plus forte dans la relation que les adeptes vont avoir avec le bouddhisme tibétain. Après, la plus grande différence aussi qu'on peut retrouver, c'est la notion de réincarnation des maîtres qu'on retrouve dans le bouddhisme tibétain. Que ce soit le Dalai Lama, que ce soit le Panchen Lama, que ce soit les Tulku, donc les Tulku, ce sont des réincarnations de grands maîtres spirituels, du bouddhisme tibétain spécifiquement. Et donc il y a vraiment toute une logique en fait de la gestion de la réincarnation qui devient aujourd'hui presque qu'il y a des enjeux géopolitiques, quoi. On se retrouve avec voilà, la prochaine réincarnation du Dalai Lama qui est un enjeu géopolitique. La réincarnation du Panchen Lama, qui est un petit peu le second sous le Dalai Lama, qui elle aussi a déjà été capturée aux mains des Chinois depuis maintenant, je ne sais pas moi, une bonne quarantaine d'années. Et d'un point de vue plus large, dans le bouddhisme tibétain, les tulkus, les réincarnations de grands maîtres au sein même du bouddhisme tibétain, sont eux-mêmes des enjeux géopolitico-culturels assez forts. Puisque voilà, une famille qui se retrouverait à avoir un enfant, puis à ses 5-6 ans, il est soi-disant décrit, perçu comme étant la réincarnation de X, c'est un chamboulement monumental dans la vie de cette famille. C'est une promotion sociale à l'époque du Tibet à l'invasion chinoise. Et aujourd'hui, ça continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant qui serait reconnu comme la réincarnation de je ne sais pas qui, voilà, c'est un chamboulement gigantesque. C'est un petit peu comme si voilà, la doctrine viendrait définir que ton fils, il est la réincarnation de je ne sais pas quel grand lama. Et cette vérité subjective, elle prend la forme d'une vérité absolue. Et ton enfant, il t'est retiré des mains quasiment dans le but en quelque sorte, de l'éduquer. Et de le former pour qu'il devienne la réincarnation de son prédécesseur. Et via ce système, en fait, on retrouve aussi des formes de dérive déjà, puisque au lieu du fait que la renaissance qu'on retrouve dans le bouddhisme tibétain, là, on se retrouve vraiment dans un concept de réincarnation spécifique. On n'est plus dans un cycle d'existence où l'être humain, dans le bouddhisme, il renaît, il renaît, il renaît, il essaie de faire évoluer sa conscience dans le but d'atteindre un éveil spirituel. Ici, on est dans presque de l'administration temporelle et immobilière et de gestion de biens immobiliers appartenant à des monastères, de gestion de lignées dites ininterrompues de maîtres à disciples, enfin, de maîtres à réincarnation, elle administre aussi un pouvoir. C'est-à-dire que la réincarnation d'un tout grand maître du bouddhisme tibétain, elle a un pouvoir conséquent par rapport à plein d'autres adeptes du bouddhisme tibétain. Il y a vraiment comme si c'était un titre, en fait, hein. C'est comme si c'était la transmission d'un titre de noblesse, en quelque sorte. Mais au lieu de se faire par l'héréditaire, il se ferait par la notion tel autre grand dignitaire va déterminer que tel enfant, je ne sais pas où, est la réincarnation de tel grand maître. Et ça prend une place vraiment gigantesque, en fait, puisque cet enfant se retrouve à être éduqué d'une manière très 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 précise. Il est complètement sorti de son milieu naturel, de ses parents,
de son cours de vie, on va dire, naturel. Et alors, évidemment, dans les notions de bouddhisme tibétain, alors évidemment, c'est son karma. Et tout est justifié de nouveau. On a tout le dogme, en fait, qui justifie toute cette manière d'articuler tout ça. Et en fait, ce n'est qu'aujourd'hui, en fait, qu'on peut retrouver des critiques, même du Dalai Lama lui-même, sur le rôle de la réincarnation aujourd'hui pour perpétuer ces systèmes. Il y a plein de questions aussi à se poser sur le fait que si la réincarnation était quelque chose d'objectif, comment ça se fait que la réincarnation a été limitée aux confins du Tibet pendant des siècles, avant de maintenant que le bouddhisme tibétain s'étale par-dessus ses frontières? Alors du coup, aujourd'hui, la réincarnation s'étale aussi par-dessus ses frontières. Et donc, on est véritablement quelque chose, on est face à quelque chose de très subjectif, de culturel, allez, je dirais, de beaucoup moins objectif. Si on devait imaginer que, okay, que le cycle des existences existe, qu'il y a renaissance, la réincarnation d'un tout le coup, c'est vraiment une construction mentale. Élaboré à des fins bien spécifiques qui aujourd'hui est en train de se répandre. Hein. On a des tulkus espagnols maintenant, des tulkus américains, mais ça n'a pas existé pendant des siècles. Or, si vraiment il devait y avoir une réincarnation de ces grands maîtres qui existaient, bah, potentiellement ils auraient pu renaître à n'importe quel autre endroit de la planète Terre. Et comment est-ce que ces grands maîtres qui étaient censés trouver la réincarnation, comment ils se seraient organisés dans ces époques-là pour aller retrouver la réincarnation d'un tel ou un autre? Donc, on est quand même quelque chose déjà de bien twisté, quoi. On est loin, en fait, voilà, des origines de la Renaissance, du cycle des existences qu'on peut retrouver dans le bouddhisme, quoi. Oui, et bien peut-être aussi, Ricardo, qui est un élément important sur lequel il faudrait peut-être venir, c'est pour expliquer peut-être ultérieurement les dérives qui ont été rendues possibles, c'est l'histoire de l'actuel Dalai Lama lui-même, qui, je pense, l'est depuis 1935, qui est la 14e réincarnation, et qui, évidemment, a dû quitter le Tibet dans des circonstances tout à fait particulières et de s'installer en tant que gouvernement en exil en Inde avec, je crois, plus ou moins une centaine de milliers d'adeptes. Tu peux nous retracer en quelques mots peut-être cet exil. Est-ce que cela implique aussi justement sur un plan financier, puisque bon, qui dit exil évidemment dit que on se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien en tant que bouddhiste et il faut effectivement aussi quelque part pouvoir financer cette nouvelle situation. Oui. Alors, bon, moi je suis pas un spécialiste, hein, du Dalai Lama, mais c'est quelqu'un qui, à ses 6 ans, est reconnu comme la réincarnation de son prédécesseur. Et donc, il va se retrouver isolé aussi, parce qu'en fait, le titre en lui-même met n'importe quel enfant dans une situation d'isolement et de privilège comparé aux autres enfants de son voilà de sa génération, de son époque, et il se retrouve dans un monastère. Du jour au lendemain, il va être éduqué selon tous les principes monastiques pour devenir ce qu'il est devenu par la suite aujourd'hui. Mais voilà, moi, d'un point de vue, parce que c'est le Dalai Lama lui-même, hein, qui dit sur l'affaire Okase que l'éducation monastique pour des enfants aujourd'hui n'a plus de sens. Et donc je pense qu'il y a quelque chose de profondément traumatisant dans le fait d'être coupé comme ça de ses racines, de sa vie, du courant de sa vie, et d'être transporté comme ça pour devenir l'icône d'une institution. Je pense que le processus est d'une violence, honnêtement, sur les enfants qui est sans commune mesure, en fait. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui va grandir dans un monastère, coupé de sa famille d'origine, même si sa famille va aussi, on va dire, subir une promotion sociale. Mais il y a quelque chose de profondément, enfin, il y a un avant et un après, ça c'est très très clair. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un qui très jeune va se retrouver dans la situation
de l'invasion du Tibet par la Chine et qui va mener en fait à son exil en Inde. J'ai plus les dates exactes là mais je crois que c'est de 1959 si je me trompe pas. Oui, c'est ça, Et donc, 1959. il va se retrouver en Inde à Dharamsala et l'Inde va en quelque sorte aménager voilà une situation un peu hors du commun. Où va se constituer en fait le gouvernement du Tibet en exil à Dharamsala et jusqu'en 2011 il va en être le chef temporel et religieux. Ce n'est qu'à partir de 2011 en fait que le gouvernement en exil s'organise pour vraiment avoir des chefs voilà démocratiques élus avec un parlement etc. C'est possible que le Parlement précède déjà ce moment-là, mais en tout cas, c'est à ce moment-là, en 2011, que le Dalai Lama voilà, se retire en fait, de son rôle de chef temporel et même de chef religieux. C'est quelqu'un qui se met dans voilà, dans une position où il est en quelque sorte reconnu par l'ensemble des écoles. L'ensemble de la communauté tibétaine en exil le suit. Voilà. Voilà, sans remettre en question quoi que ce soit, parce qu'il est, voilà, il devient, prix Nobel de la paix, etc., il devient un symbole, il devient une icône pour son peuple, une icône pour la préservation de sa culture. Voilà, à tous les niveaux, en fait, il devient une institution, enfin, l'institution du Dalai Lama change sous le 14e, probablement plus voilà, que tous les siècles qui l'ont précédé, quoi. Avant ça, il y a eu voilà, il y a eu une route parfois je pense que c'est le sixième notamment, le sixième Dalaï Lama. Il y en a quand même quelques-uns comme ça qui ont été des originaux, on va dire, hein, qui avaient vraiment du mal à se mettre dans les clous de l'institution, de devenir des moines et voilà, de faire ce qui était attendu d'eux, on va dire ça comme ça. Mais le 14e, il a une vie voilà, totalement. Voilà, radicalement impacté par l'invasion chinoise. Et donc, ça va le mettre effectivement dans une situation de dépendance, bah, non seulement envers les États-Unis, mais envers n'importe quel bénéficiaire, en fait, n'importe quelle personne qui viendra en disant, voilà, j'ai du soutien financier. Je pense que, voilà, dès qu'on commence à amener de l'argent, en fait, on sort complètement de dynamique, enfin, on rentre souvent dans des dynamiques qui sont plus forcément les dynamiques d'origine qui pourraient être justifiées pour maintenir un monastère à flot et faire en sorte que des moines qui n'ont pas de revenus propres voilà, puissent vaquer à leur quête spirituelle. Donc voilà, tout ça ouvre la porte à un milliard de choses parce que voilà, y a suffisamment d'études aujourd'hui, différentes entités hein, qui se sont retrouvées en contact avec le Dalai Lama. Et qui par la suite se sont retrouvés boostés, énormément boostés en visibilité, sur des plans parfois presque internationaux, et qui s'avère par la suite qu'en fait ils étaient voilà, si on prend Kate Ranier aux États-Unis, dont le Dalai Lama fait sa préface, la préface de son bouquin, il y a forcément de l'argent qui circule entre, en tout cas, le CTA, c'est-à-dire l'administration centrale tibétaine, Kate Ranier, donc le gourou de la secte Nexium. Et aujourd'hui, ben, il y a eu des plaintes en tribunal, il y a eu toute une évolution juridique, et Kate Ranier est en train de faire 20 ans de prison. Et donc, en fait, alors, c'est un sujet qui est vraiment compliqué à parler parce que, dès qu'on commence à parler des financements du CTA, alors tout de suite, on va se retrouver avec les oui, mais alors la CIA a renfloué les coffres du CTA dans les années intelles. Aujourd'hui, c'est l'USAID, organisation qui en partie subsidie, on va dire, le CTA. Il y a des tas de donateurs privés aujourd'hui, hein, des grands acteurs, voilà, il y a des tas de personnalités aujourd'hui qui ont d'une façon ou d'une autre contribué au maintien à flot, on va dire, de l'administration centrale tibétaine en exil. Et en même temps, on va nous dire que le Dalai Lama n'accepte de l'argent de personne et que lui, en tout cas individuellement, voilà, il ne reçoit jamais d'argent personnellement.
Et donc, c'est très opaque, c'est très difficile à investiguer. Toute remise en question de tout ça est aussi vue d'une manière un peu. Tout de suite, on te dit, ah ben ça y est, t'es un pro-chinois, t'es un communiste chinois, t'es là pour, voilà, pour mettre à mal l'institution du Dalai Lama. Et donc, en fait, il y a un tel nexus entre survie culturelle, survie d'un peuple en exil, indépendance du Tibet qui n'a jamais été nulle part, la culture tibétaine et sa diaspora, les questions géopolitiques, l'immission de la Chine dans les questions religieuses tibétaines aujourd'hui, le fait que la Chine se dit aujourd'hui la seule à pouvoir définir qui est ou qui sera la réincarnation du Dalai Lama, tout ça en fait rend cette question absolument explosive, en fait. Et voilà, moi, je ne suis pas du tout, je pense, comment dire, allez, moi, je ne suis pas compétent à en parler. Tout ce que je peux faire, c'est remarquer le nexus de complicité que ça représente et remarquer que, vous avez le site openbouddhisme.org qui contient toute une série d'archives sourcées. Vraiment très, très intéressante à lire, même si parfois l'article prend 1 heure à lire, mais il y a des articles vraiment très intéressants qui montrent toute une série de personnages plus que douteux et voilà, leur fréquentation ou leur utilisation du Dalai Lama à des fins personnelles, et ensuite le fait que ces individus ont par la suite commis des actes totalement contraires à toute notion du bouddhisme. Et donc on peut vraiment constater en fait depuis des décennies, en fait c'est pas nouveau, mais on peut constater une incapacité de l'institution à faire des background checks mais de base, de se dire tiens, mais c'est qui cet individu, pourquoi est-ce qu'il nous donne autant d'argent. Il y a vraiment un problème en fait, il y a un conflit d'intérêts, je dirais, entre le besoin de survie de l'institution et du gouvernement en exil. Et le fait que le Dalai Lama représente une forme de représentant éthique, intègre, transparent, etc., etc., qui sont, voilà, qui sont toute une série de valeurs qui peuvent émaner du bouddhisme et qui rentrent en contradiction avec ces rencontres historiques avec des personnages plus que douteux. Et donc ça, c'est, voilà, ça reste, je dirais, à devoir être pour moi du travail journalisme, c'est du travail de journalisme qui dont on a besoin sur ces questions afin d'arrêter aussi de projeter en Occident dans le Dalai Lama une dimension en fait qui n'est pas la sienne et qui est en partie le fruit d'une projection occidentale. Et on est après des décennies en fait où on a été habitué à l'idée que c'était littéralement la réincarnation d'un Bouddha sur Terre, point barre. Et en fait, on doit revenir pour moi à quelque chose de beaucoup plus concret, du fait que voilà, c'est quelqu'un qui a essayé de défendre son peuple à sa façon, tout en étant coincé parfois par sa propre philosophie bouddhiste, hein, de non-violence, etc., qui n'ont jamais permis au peuple tibétain de réellement se révolter et de se dire bah écoutez on va se défendre, hein, on va littéralement se battre pour notre indépendance. Et donc on est face à toutes ces contradictions, à toutes ces limitations et au bilan en fait qui se fait voilà 60 ans plus tard où tout le monde tout a été misé en fait sur une seule personne, tout absolument tout. Et donc cette personne fait une erreur, comme on a pu le voir tout récemment là avec le scandale Suck My Tongue, et cette erreur en fait entache l'entièreté de l'institution et même a un impact sur le bouddhisme tibétain, couplé on va dire au fait que voilà on sait qu'il y a des abus sexuels dans le bouddhisme tibétain depuis les années 70. Si on fait l'ensemble de ce dessin, on se dit mais voilà, c'est un énorme revers. Et en même temps, c'est un revers, moi, je pense, nécessaire de revenir vraiment voilà, au fait que ben, en fait, c'est un homme qui fait des erreurs, comme nous tous, en fait, et qu'il faut arrêter de projeter en lui des qualités des projections en fait, qui n'ont pas lieu, voilà,
n'ont rien à voir avec, avec la réalité du terrain, en fait. D'accord, mais c'est pour ça que je voulais effectivement qu'on s'arrête un petit instant sur le Dalai Lama, qui est quand même une pièce maîtresse pour le coup de tout un système. Ouais. Donc voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va revenir sur. Oui, donc ça, c'était les bases du bouddhisme tibétain et ses origines. Oui, ça aussi quelque chose dont tu peux peut-être mentionner dans Oui. le, dans ce qui constitue, on va dire, le bouddhisme tibétain. Au moment où, où le bouddhisme tibétain va venir d'Inde au Tibet, il y a une religion mi-animiste, mi-chamanique qui s'appelle le Bön, en fait, et qui est très bouddhiste, voilà, qui fait partie, on va dire, des mœurs et de la culture tibétaine de l'époque. Comme aujourd'hui, le bouddhisme fait partie est intimement, on va dire, mêlé à la culture tibétaine. Déjà à l'époque, le Bön l'était aussi. Et en fait, le bouddhisme et le Bön vont en quelque sorte se mélanger. On peut retrouver des traces du Bön dans certaines pratiques du Vajrayana et dans toute une série d'imageries, de toute une série de, voilà, de notions, de protecteurs, de divinités, etc., qui n'ont plus rien à voir avec le bouddhisme du Bouddha d'origine, quoi. Enfin, si le bouddhisme est déjà est déjà différent de l'hindouisme, l'hindouisme avec toutes ses divinités, tout son panthéon, eh bien, en fait, on peut retrouver dans le bouddhisme du Tibet toute une série de divinités et de panthéons, de divinités protectrices, de divinités courroucées, etc., ben, on ne retrouve pas dans le bouddhisme du tout. Et qui, en fait, sont beaucoup plus rattachés aux traditions bön qu'au bouddhisme de ses origines, quoi. Et donc, on peut quand même fortement affirmer que que le bouddhisme tibétain est quand même intrinsèquement relié à sa propre culture, en fait. Et que quand il va finir par s'exporter en Occident à partir des années 70, avec l'exil, en quelque sorte, du Tibet, cette culture, cette pensée, ce mélange culturel et religieux va aussi s'exporter à travers l'Europe. Oui, c'est un intéressant. Alors, il y a des bouquins bien mieux que moi pour décrire tout ça. Je pense que c'est qui? C'est, oui, les dévots du bouddhisme de Marion d'Absence qui essaie de faire un peu une espèce de recherche anthropologique. Alors, il suffit que je dise ce nom. Si jamais il y a des bouddhistes tibétains qui nous écoutent, ça y est, là, je suis disqualifié. Elle est En même temps, controversée, oui, c'est ça. ça reste une étude très intéressante sur l'arrivée du bouddhisme tibétain en Occident. Les dévots du bouddhisme de Marion d'Absence, ça reste vraiment un bouquin vraiment très intéressant, je trouve. Voilà, après, le bouddhisme tibétain, notamment cette pratique, le Nyendro, qui est une pratique que d'ailleurs nous, en tant que gamins, on a fait. Enfin, moi, cette pratique, je l'ai fait quasiment, je sais pas moi, 15 ans d'affilée, quoi, et qu'on retrouve à travers toutes les écoles. C'est toute une série, en fait, de pratiques, de récitations. C'est toute une manière, en fait, de packager, je dirais, le bouddhisme, parce que dans la première partie, si vous voyez le premier bloc en haut à gauche, la prière de refuge et la génération de la bodhicitta, le pratiquant prend refuge dans les trois joyaux qui sont les bases du bouddhisme d'origine, donc le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et en fait, tout ça génère la bodhicitta, l'esprit d'éveil, pour le bien de tous les êtres sensibles. On prend ce premier bloc-là, en fait, et on pourrait dire que voilà, ça, voilà, le bloc bouddhisme d'origine. Et ensuite, si vous avez. Après, on rentre dans différentes pratiques, en fait, qui sont déjà des produits du bouddhisme tibétain, en fait. Que ce soit la pratique de Vajrasattva, mais après, il y en a des dizaines d'autres. La pratique du mandala, la pratique du guru yoga. Alors là, typiquement, la pratique du guru yoga, c'est vraiment une des briques différentielles, on va dire, du bouddhisme tibétain par rapport au bouddhisme classique. Et il s'agit, en fait, de visualiser, de méditer sur son propre maître spirituel, étant lui-même inséparable de la nature du Bouddha. Et en fait, il y a une espèce de fusion, en fait, et je dirais presque de remplacement. En tout cas, moi, dans mon expérience, il y avait vraiment un remplacement
de la notion du Bouddha par la notion du maître spirituel du gourou racine. Et c'est ce remplacement-là, en fait, qui rend le maître spirituel, le gourou dans le bouddhisme tibétain, comme prépondérant et qui finit par capturer, en fait, la place qui, à l'origine, aurait dû rester celle du Bouddha. Dans un point de vue, on va dire, d'un bouddhisme d'origine, il n'aurait pas fallu remplacer le Bouddha. Alors ici, on ne te dit jamais que ça a été remplacé. On te dit plutôt que leur nature est inséparable. Mais dans les faits, tu finis toi-même par faire l'exercice de mentalité, de visualisation mentale et toutes les pratiques qui en découlent, où effectivement, tu visualises ton propre maître spirituel de chair et d'os au-dessus de ta tête, et il finit par être l'élément central de toutes tes pratiques. Et donc ça, je ne pense pas qu'on peut s'imaginer que ça n'a pas d'impact sur les adeptes, sur des enfants encore plus, et sur la notion même de toute l'articulation d'une quête, d'une pratique spirituelle, quoi. Alors une autre différenciation qu'on retrouve aussi dans le bouddhisme tibétain, c'est les notions des prosternations. Ils sont en fait qui est un acte physique, en fait, de se prosterner, mais vraiment s'allonger sur le sol complètement, mettre les mains au-dessus de la tête, se relever et recommencer cet acte comme ça des centaines et des centaines de fois, tout en alliant la pratique du refuge, et c'est censé être, voilà, un acte physique pour purifier le corps, la parole et l'esprit, développer l'humilité et la dévotion. Tout ça, c'est des blocs qui font partie du bouddhisme tibétain et qu'on retrouve beaucoup, beaucoup moins, en tout cas d'une manière moins centrale dans d'autres formes de bouddhisme, que ce soit Theravada ou autre, même si là aussi il peut y avoir des prosternations, mais moins en fait comme étant un bloc central de la manière dont, voilà, le bouddhisme tibétain s'articule, quoi. Mais quand tu me parles effectivement de ce genre de pratique, Ricardo, du coup, j'ai un peu du mal à voir comment, en pratiquant ce type de choses, on peut finalement en arriver à un éveil. J'ai plus l'impression qu'on en arrive à une Alors, humiliation et au néant de soi et à une absence de désir et d'oubli de soi, en fait. Donc, comment s'oublier et s'éveiller? ouais, c'est clairement, allez, si on doit prendre par exemple la pratique de Vajrasattva, qui est la récitation d'un mantra, et qui est une déité associée à la purification de ses propres fautes, de ses propres fautes karmiques, etc. Donc en fait, vous allez avoir plein de Par exemple, vous allez prendre la pratique de Manjushri, qui est le Bouddha de, allez, la déité de la sagesse, et qui est une pratique en antidote au poison de l'orgueil, par exemple. Et donc, en fait, pour chacune de ces divinités, vous allez avoir chaque fois un poison et une antidote, en quelque sorte. Et donc, en fait, tout ça sont des rituels qui sont censés travailler sur des défauts qu'on pourrait avoir, et que le pratiquant essaierait voilà, d'administrer une antidote dans le but de se perfectionner, dans le but d'atteindre l'éveil. Alors, moi, je pense que dans un point de vue, le truc, en fait, c'est que le bouddhisme tibétain, il peut pas s'articuler sans le lama racine. Autant le bouddhisme du Bouddha, tu pourrais le pratiquer d'une manière laïque, personnelle, toi-même de lire les textes, de t'inspirer de ces méditations, de toute une série de choses. Tu pourrais le faire toi-même tout seul sans maître racine, sans, voilà, sans grand lama au-dessus de ta tête. Autant le bouddhisme tibétain, il n'y a pas. La seule façon de progresser littéralement et d'aller plus loin, en fait, et soi-disant d'aller plus vite. Parce que c'est ça aussi un peu la promesse du bouddhisme tibétain, c'est de pouvoir atteindre l'éveil en une seule vie. Et ben, ça passe justement par des méthodes et des pratiques qui sont plus radicales, très Oui, certainement plus radicales, et une relation de maître à disciple qui peut vraiment aller très très loin dans cette radicalité. Et je dirais même qui est dangereuse, en fait, tout simplement. Oui, ça on le verra effectivement au niveau des origines, des dérives, qu'est-ce qui permet effectivement ce type de comportement abusif. Oui, alors juste pour terminer sur les pratiques du bouddhisme tibétain, voilà, c'est toute une série
de déités qui sont visualisées, qui font, voilà, qui font référence à certaines. Par exemple, la déité Chenrezig, c'est le Bouddha de la compassion. Et donc, en quelque sorte, tu récites toute une prière avec des mantras qui vont t'immerser dans, voilà, dans la nature de cette déité de la compassion. Et le but, c'est de toi-même, le but, c'est de toi-même, en fait, t'imprégner, en fait, de cette compassion, histoire que dans ta vie privée, ben, tu puisses la mettre en pratique, en quelque sorte. Et donc, toutes les pratiques tournent autour de ça, en fait, hein, sauf que c'est chaque fois des litanies avec des mantras, avec des récitations, des nombres qu'il faut faire, etc. Ça peut aller très très loin. On appelait ça une boum. C'était le fait de réciter 100 000 fois le même mantra. Ça pouvait prendre parfois voilà, des mois ou plusieurs semaines. Ça dépendait du rythme qui était imposé et qui, du coup, en fait, on accumulait des boums. Sur une année, on pouvait accumuler 3 boums, et donc c'est monté à 300 000 fois le mantra qui était répété. Et en fait, une grande partie de l'activité des moines dans les monastères encore aujourd'hui consiste justement à faire ces répétitions et à, voilà, ces chants qui sont vus en fait comme une manière de. C'est presque comme un service en fait. C'est littéralement comme, voilà, comme le fait d'exécuter une. Allez, l'équivalent d'une messe, sauf que ici, dans ce contexte, en fait, la messe, elle pourrait durer potentiellement plusieurs semaines, voire même une année, tellement les nombres requis pour arriver à la fin du service sont conséquents, quoi. Oui, c'est ça, ça crée un peu un côté abrutissant pour le coup. Ben moi, je pense surtout que, en tout cas, dans les mains voilà, de personnes mal intentionnées, etc., je pense que voilà, quelqu'un qui ferait ça lui-même dans son coin tout seul, ben, je ne sais pas quelle va être sa capacité véritablement à aller loin dans cette imposition. Par contre, de suivre tout ça avec quelqu'un qui te dit combien de temps tu dois le faire, combien de nombres tu dois faire, etc. Oui, moi je pense que ça peut vraiment être abrutissant, que ça peut vraiment être en fait quelque chose d'extrêmement cérébral en fait, finir, puisque tout ça est en train de se passer dans la tête. Et que si ça se trouve, quelqu'un peut être en train de faire toutes ces énormes pratiques, etc. Et ensuite, dans la vraie vie, il va ressentir une forme de jalousie, il va être désagréable envers son prochain, il va en fait ne pas mettre en pratique, soi-disant, le fruit de ces pratiques-là, de ces mantras, etc. Et bah, il n'y aura pas seulement personne, il y a personne qui va lui dire: Ah, bah là, tiens, t'avais une faute. Tu te comportes pas de la bonne façon, et en plus, si cette personne est plus élevée, si elle a un rang de pratiquant dit ancien, etc., ben on se retrouve en fait à des systèmes en fait de domination, de pouvoir, voilà, les anciens pratiquants qui ont plus de pouvoir et de d'influence, on va dire, que les nouveaux, et en fait, on se retrouve en fait dans des dynamiques de type, voilà, de type sociétal, de type patriarcal, de type, etc., qu'on peut retrouver dans la société. En fait, et qui vont juste s'articuler dans un environnement fermé où les différents acteurs de ces dérives en fait sont tous persuadés d'être des grands pratiquants et que tout ce qu'ils font en fait c'est forcément bien, ou en tout cas qu'ils sont persuadés dans leur propre manière de percevoir les choses d'être dans l'intention pure d'articuler en fait les préceptes même en fait du bouddhisme. Et dans les faits, ben, il y a quelqu'un qui est en train de crever d'un cancer dans le centre, et cette personne est isolée, elle est seule, et elle traverse sa maladie dans une souffrance incommensurable, quoi. Et là, je parle de faits vécus, quoi. Et pas que dans l'AOKC, d'ailleurs. Donc, je pense que le côté abrutissant, c'est plus qu'un fait, quoi. C'est-à-dire que à quoi bon réciter tout ça si, pour finir, dans le présent, dans le concret, en fait, on est complètement à côté de la plaque, on est complètement coupé de son cœur, en fait. Complètement coupé du réel et complètement dans sa tête, dans une espèce de recherche cérébrale en fait d'un voilà, d'un nombre à obtenir, de grandes capacités de visualisation, mais qui mène à quoi en fait? Donc c'est, voilà, moi je pense qu'il y a un gros manque de discernement en fait sur tout ça, et une espèce on se jette là-dedans comme si c'était presque un sport, mais mental en fait.
et que ce faisant, on se coupe complètement des notions fondamentales du bouddhisme tout court, en fait. Bon, là, on revient sur différents éléments qui constituent, enfin, qui différencient le bouddhisme tibétain du bouddhisme de base. Je vais pas rentrer dans chacune d'elles, mais la dernière, la pratique du tchod, essayer de couper l'attachement à l'ego et surmonter la peur et l'ignorance. Je veux dire, l'attachement à l'ego, c'est dans le bouddhisme tibétain, c'est un énorme pan. Et en fait, autant que, je ne sais pas, à nouveau, utiliser individuellement, personnellement, en se disant, voilà, je suis trop égoïste, je pense trop à moi-même, et du coup, dans ma façon de faire, ben, en fait, je nuis potentiellement à ma famille, à mes proches, etc. Et donc, il faut que je travaille sur mon ego. Moi, voilà, moi, j'ai rien contre, hein, si la décision, elle est propre, si elle est, tu vois, si elle est faite dans une certaine souveraineté. En fait, et un certain discernement, et que ça part de la personne. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, voilà, moi je suis trop colérique, il faut que je fasse un travail psychologique ou que j'aille. Voilà, moi, honnêtement, j'ai rien à y redire. Par contre, quand, en fait, on se retrouve dans une relation maître à disciple et que le fait de former une critique envers le maître ou le fait d'avoir des doutes, en fait, est vu comme une forme d'attachement à l'ego ou est vu comme une manière. Une expression de l'ego, et que cet ego, il faudrait le noyer, en tout cas, il faudrait le gommer, il faudrait le faire disparaître au profit d'une espèce je sais pas, d'identité qui ne serait pas attachée à l'ego, ni dans le rejet de l'ego, qui serait une espèce de je sais pas, un drôle de nihilisme bizarre où en fait, on nie sa propre individualité au profit potentiellement de l'individualité du groupe, hein, de l'intérêt de la sangha, de l'intérêt de la communauté, et que du coup, on pourrait potentiellement même se sentir mal et vivre vraiment des moments difficiles, et au lieu d'interpréter ça en disant, en fait, je suis en train de faire quelque chose qui ne me convient pas, et donc je dois m'écouter, je dois avoir du discernement par rapport à ce qui m'arrive. Alors, on s'auto-flagelle en disant non, ça c'est mon ego qui parle, et donc il faut pas que j'écoute ça. Et donc, de nouveau, en fait, et on va arriver en fait dans le cœur de comment en fait tout ça peut être utilisé d'une manière qui ouvre la porte à des dérives sectaires. En fait, on va utiliser en quelque sorte les différentes briques qu'on a vues jusqu'ici contre l'individu en fait. Et on va prétendre en fait que le guru yoga, que la relation de maître à disciple, en fait, c'est comme si, voilà, c'est comme si je mettais ma vie entre vos mains et je vous laisse définir la direction de ma vie et même la direction de ma quête spirituelle. C'est d'un danger, en fait, mais phénoménal. Et le problème, c'est que ce danger, il est au cœur même de la notion même du bouddhisme tibétain. Il n'y a pas moyen de faire un bouddhisme tibétain qui serait dénué en fait de cette relation maître à disciple. Alors dans les textes et d'une manière mythique ou pour des personnes telles que voilà on prend Matthieu Ricard, si on va écouter certaines vidéos de Matthieu Ricard où il va parler de ses maîtres à lui et la relation que lui il a eue par rapport à d'autres grands maîtres à lui, eh ben on est aussi dans des dynamiques en fait très différentes. Et on est face à quelqu'un qui a toujours eu une certaine forme d'autonomie, de privilège, en fait, pour articuler sa quête spirituelle. Et donc, forcément, il n'est pas dans une relation de dépendance, de privation de liberté, etc. Et donc, dans cette position privilégiée, bah, c'est presque facile, en fait, de tomber sur, en quelque sorte, un bon maître et d'avoir une bonne relation avec un maître qui va t'aiguiller sur ta recherche spirituelle, un peu comme un ami spirituel, qui est une notion qu'on trouve très souvent dans le bouddhisme tibétain. Mais aujourd'hui, on prend la manière comme ça s'articule dans la société, et je dirais que personne n'est ton ami spirituel. C'est-à-dire, personne ne devrait se dire, avant peut-être, je ne sais pas moi, 20 ans d'observation d'un individu, qui veut se prétendre être ton guide spirituel, qu'il est ton ami spirituel. En principe, dans les logiques du bouddhisme tibétain, et ça, c'est le genre de choses que Matthieu Ricard et d'autres vont professer, de dire qu'il faudrait
Il faudrait vérifier son maître spirituel. Et il faudrait patienter, si ça se trouve, des années avant de pouvoir véritablement lui donner une entière confiance. Or, dans les faits, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, en fait. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. Et personne, quasi personne, n'a le privilège de pouvoir, je sais pas moi, se rendre en Inde une fois par an et de recevoir des enseignements et de tester pour savoir si le maître est bon ou s'il n'est pas bon. Pas comme ça que ça se passe. Si on prend tous les cas, tous les grands cas qui sont devenus des références du bouddhisme tibétain, Soga Rinpoche, Shogyam Trungpa, etc., ils se sont positionnés en tant que grand maître du bouddhisme tibétain, Vajrayana. Et si la personne si la personne en fait baissait sa garde une seule seconde et qu'elle décidait inconsciemment ou pas de remettre en fait sa quête spirituelle dans les mains de ce soi-disant grand maître, eh ben c'était fini. C'était fini. Il y avait une certaine relation de dépendance et de subordination, de domination qui faisait en sorte que la personne en fait abdiquait de son propre discernement au profit du fait que soi-disant le grand maître est éveillé et qu'il sait où il va et qu'il a la vision et la sagesse pour faire des choix à ta place. Et déjà là, en fait, on est déjà à l'encontre du bouddhisme. C'est-à-dire le bouddhisme lui-même indique qu'il faut garder son discernement et constamment vérifier ses pensées, constamment vérifier ses actes, et qu'il ne faut pas ne pas prendre les paroles même du Bouddha comme de l'argent comptant et il faut les vérifier. Ouais. Or, dès qu'on rentre dans une relation de guru yoga, Bien sûr. en fait, le discernement, il a déjà quitté par la fenêtre, quoi. Oui, c'est ça. Mais alors, du coup, quand on sait cela, et que quelque part, n'importe qui devrait le savoir, et plus encore ici, tu parlais de Mathieu Ricard, il devrait évidemment le savoir, qu'il y a un rapport de maître à élève, de maître à adepte, et que l'emprise est facile, et que quelque part, on demande justement obéissance, et du coup, de laisser, de lâcher prise. Donc, en même temps, évidemment, dire après, mais vous avez été victime, certes, mais enfin, vous auriez peut-être dû discerner, ça revient à dire quelque part que de nouveau, la victime est en faute, quoi. Ah, mais c'est la réaction, c'est d'ailleurs une des choses que je reproche complètement dans les préceptes ou les conseils que le Dalai Lama donne ou que Mathieu Ricard donne parfois, qu'on a pu entendre dans la télévision ou à la radio, où on met l'accent sur le fait, en fait, on met toute la responsabilité sur l'adepte. C'est à l'adepte de savoir qu'est-ce qui est du bon bouddhisme ou pas. Et en même temps, il y a des traces très claires. Hein, si vous allez sur le Wayback Machine, Internet Archive, et que vous tapez tibetanlama.com, tibetanlama sans S, vous allez voir qu'à l'époque, jusque 2011 d'ailleurs, il y avait une volonté de faire une liste de centres agréés et de lamas ou de maîtres respectables ou légitimes. Et qu'ensuite, ces initiatives sont tombées à l'eau. Et donc, en fait, on est face à une espèce de religion qui, d'un côté, ne s'institutionnalise pas pour ce qui concerne la légitimité et quels sont les centres safe, on va dire, pour les adeptes, et d'un autre côté, s'institutionnalise pour tout ce qui concerne, il y a des fondations, il y a des centres organisés, il y a des unions bouddhistes, il y a toute une structure, on va dire, autour de tout ça, mais elle n'est pas à même de définir qui est un maître ou pas. Et c'est un peu démerdez-vous, Oui. démerdez-vous en fait. C'est à vous de faire, c'est vous d'avoir le discernement. Mais on est en train de demander, et ça touche fort l'affaire Ocassé, où en fait nos parents, quand ils voient arriver en fait ces grands maîtres du bouddhisme tibétain tels que Khyentse Rinpoche, Kyangu Rinpoche, etc., ou Dudjom Rinpoche, qui viennent dans le centre de Robert Spaat. Il y en a plein qui se disent, mais c'est pas possible, si il n'était pas authentique, si Robert Spaat n'était pas effectivement légitime, eh ben, ces grands maîtres ne viendraient jamais ici. Et donc, en fait, de là, on a une forme de légitimité indirecte qui se met en place, héritée, on va dire, de la part de ces grandes autorités, de la part de ces grandes références, qui aujourd'hui sont vues, mais d'une manière vraiment universelle à travers toutes les écoles du bouddhisme tibétain, comme étant des grands maîtres par-delà les grands maîtres. Et ces grands maîtres-là, ils n'ont rien vu. Donc, on s'attend à ce que des adeptes soient à même de percevoir à travers tous ces voiles, de détecter qui est le grand maître,
Et les grands maîtres eux-mêmes n'ont pas eu le Oui, c'est discernement ça. pour se dire, ben Oui. tiens, alors qu'on leur prétend, qu'ils ont la vue, hein, ils ont la vue juste, ils ont, voilà, ils ont une perception, quoi, au-dessus de voilà, des perceptions conventionnelles de nous, pauvres êtres perdus dans le samsara. Et ces grands êtres, en fait, n'ont pas su percevoir quoi que ce soit. Ouais, il y a de nouveau une sorte de dissonance cognitive entre ce qu'ils sont censés voir et la réalité de ce qu'ils voient. Mais aussi un autre aspect que je voulais quand même évoquer, c'est le fait que tu disais dans le bouddhisme, c'est pas institutionnalisé, mais du coup, quand il y a des abus, quelque part, personne n'est responsable non plus. Ça, c'est assez commode, ça. Voilà, c'est aussi voilà, c'est tout le problème. C'est-à-dire que si vous allez vous plaindre chez le Dalai Lama, on vous dit, ben en fait, c'est pas le Dalai Lama, c'est les chefs des écoles. Si vous allez chez les chefs des écoles, ils vous disent, ah, mais en fait, il n'y a plus de chefs des écoles. C'est-à-dire depuis 2020, le Dalai Lama avait demandé à l'époque, il y a plus de 20 ans, que les chefs d'école, les quatre principales écoles, se dotent d'un chef. Et donc, depuis. Donc, par exemple, après les perquisitions de 1997, certains grands maîtres vont reconnaître Robert Spatz et son centre Logen Kunzan Chuling. Avant 1997, déjà, le chef de l'école Nyingma-pa, Pénor Rinpoché, aujourd'hui décédé, reconnaît l'action de Lama Kunzang, Robert Spatz, Logen Kunzan Chuling, comme étant des vrais centres du bouddhisme tibétain. Depuis 2020, il n'y a plus de chef Nyingma-pa officiel. Rabjom Rinpoche, donc ex-directeur spirituel de la OKC, aurait refusé de devenir, on va dire, la personne de référence de toute l'école Nyingma-pa. Et donc, en fait, quand vous voulez effectivement dire à l'échelon d'en dessous, en fait, ben, en fait, il y a des problèmes, il y a des abus, ben là, on ne vous écoute pas. Nous, ça a été notre expérience. Lettre de 2010, 2017, envoyée directement à Rabjom. Zéro prise de conscience sur ces faits, alors même que l'organisation était en justice. Et donc, en fait, tu te dis, bon, en fait, ça marche pas. Je vais à l'échelon de dessus, chez le Dalai Lama. Et là, on te dit, ah, il faut aller dans les médias, il faut aller en justice. Et si il est accusé, alors on pourra s'exprimer. Mais c'est lunaire, en fait. C'est complètement lunaire. Et il y a zéro prise de responsabilité en fait. Il y a vraiment zéro prise de responsabilité, ne fût-ce que dans le manque d'organisation. Alors après le documentaire Bouddhisme, l'art du silence, on a quand même Mathieu Ricard qui nous dit qu'effectivement, il y a un manque de garde-fous. Où on a encore l'Union bouddhiste belge qui dit qu'ils ont pris des dispositions et que maintenant, un centre bouddhiste qui fait face à des actions en justice, il ne peut pas faire partie de l'Union bouddhiste. Et à côté de ça, vous avez l'Union bouddhiste française qui dit, voilà, Sogyal a été, y a eu des plaintes contre Sogyal. Le Dalai Lama, en 2017, s'exprime sur Sogyal en disant, voilà, il a été disgracié, mon ami Sogyal a été disgracié, je le cite. Sogyal s'enfuit en Thaïlande, va mourir d'un cancer un ou 2 ans après. L'affaire est terminée. Qu'est-ce que fait Rigpa, donc le centre qu'a créé Sogyal Rinpoche? Rigpa, d'abord, est retiré de la liste des centres légitimes, soi-disant, listés par l'UBF, des membres. Et ensuite, il y a un nouveau grand lama tibétain qui vient et qui reprend Rigpa, on va dire, à son compte. Qui en devient le directeur spirituel, et hop, Rigpa, comme organisation, est remise dans la liste des centres bouddhistes légitimes. Il n'y a aucune prise de conscience de se dire, oui, mais attends, comment est-ce que les membres, les adeptes, la direction, le board, comment est-ce que tous ces gens ont fait partie, en fait, de la dérive de Sogyal, et comment ils l'ont articulé? Il y a véritablement des formes de complicité. Eh bien, ces complicités ne sont pas établies. Il y a des démissions, très discrètes, hein, hop, 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 on fait une belle démission. On essaie de laver le linge en interne, on crée un conseil de médiation, on crée un nouveau board. Donc voilà, il y a des choses qui se font, ok. Et par rapport à OKC, c'est même mieux, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que Rigpa a fait, que OKC n'a absolument pas fait. OKC, c'est toujours la même direction qui dirige OKC aujourd'hui, après 20 ans
de tribulations, enfin de troubles, on va dire, dans les tribunaux. Shambhala, aux États-Unis, bah, voilà, y a différentes mesures qui ont été prises, une médiation qui a été faite, une enquête indépendante, c'est le cas aussi de RIGPA, une enquête indépendante vraiment par un groupe totalement indépendant qui ont vraiment fait une enquête, qui ont déterminé qu'effectivement, il y avait eu des abus sexuels, physiques, financiers, et tout ça se gère en dehors de la loi. Tout ça se gère un petit peu comme si c'était une affaire de famille dont il ne fallait pas trop secouer la surface pour ne pas que le nom de la famille ou le nom du centre subisse en fait trop de pression ou trop de visibilité et que du coup ça entache la réputation de celui-ci. Ouais, c'est Et terrible. donc dans tout ça, on est dans des mécanismes en fait qui ne font que perdurer en fait ces mécaniques d'abus puisqu'en fait il n'y a pas un seul moment depuis les années 70 où on se dit pour finir. On s'en tape en fait que le Dalai Lama n'a pas signé une charte éthique en 1993. On l'a fait cette charte éthique, on prend nos responsabilités en main et on fait les choses quoi. Et en fait, ça ne vient jamais. Un peu comme si les Occidentaux, pratiquants, certains depuis maintenant plusieurs décennies, se mettent constamment dans la position de l'imposteur, de dire ah non, nous on ne peut pas définir ce qui serait juste ou ce qui ne serait pas juste. Alors qu'en fait, il suffirait. Voilà, il suffirait de se dire qu'en fait on voudrait se doter d'une charte éthique et de fonctionner d'une certaine façon en respectant les bases du bouddhisme hein, pour que en fait il y ait en théorie tout ce qu'il faut dans le bouddhisme de base pour éviter ce genre d'abus à l'avenir. Ouais. C'est quand je t'entends, évidemment, je me dis parfois que c'est un peu de l'utopie parce que dans tous les systèmes, évidemment, de pouvoir qui veulent par définition perdurer, c'est vrai que la clarté et la remise en question en interne se fait rarement. On l'a déjà dit en général que ça vient de l'extérieur pour faire bouger les lignes. On a vu dans notre premier échange, en fait, Ricardo, notamment quels étaient ces abus spirituels et sexuels qui avaient pu, de fait, grâce à ce système mis en place, perdurer pendant des dizaines d'années. On a vu jusque maintenant, en fait, quelles étaient un petit peu les bases du bouddhisme et du bouddhisme tibétain en particulier. Et du coup, si on veut articuler évidemment les deux, à savoir les bases du bouddhisme d'un côté et les abus qui, pour le coup, sont bel et bien réels, comment expliquer l'origine finalement des abus. Qu'est-ce qui permet cette mise en place, en sachant aussi justement que le livre qui est paru, je l'ai dit, en 2022, La loi du silence, parle bien d'un système abusif. Donc, qui dit système dit mise en place de, non pas de garde-fous, mais justement de ce qui permet les dérives. Alors, qu'est-ce qui permet ces dérives, concrètement? Oui, alors selon moi, et dans ce que j'ai pu observer, hein, il y a différents mécanismes, il y a différentes choses en fait qui vont permettre et qu'on retrouve en fait, que ce soit chez Okase, chez Rigpa, chez Shambhala ou autres, ou même dans des centres beaucoup plus petits où il y a juste un grand maître qui s'occupe de ses adeptes, voilà, ne fût-ce qu'à l'échelle d'un pays. Et on retrouve en fait toujours les mêmes mécanismes. Je pense que un des premiers, effectivement, la notion du gourou racine, qui prend une place vraiment prépondérante dans la logique, on va dire, du bouddhisme tibétain. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le lien de Samaya, qui est une espèce d'engagement sacré pris entre un disciple et son maître. Le potentiel d'abus dans cette notion, en fait, est gigantesque. Gigantesque parce qu'en fait, on met la fidélité, on va dire, du lien du Samaya par-dessus ses propres intérêts, par-dessus son propre discernement, parce que dès qu'il y a remise en question ou dès qu'il y a des doutes, c'est perçu comme une manière d'aller à l'encontre de son engagement spirituel. Et donc, dans ces conditions-là, comment garder le discernement si le fait même de questionner est déjà une manière de... Voilà, est déjà un acte en soi, en fait, qui va à l'encontre des préceptes. Donc, c'est très difficile. Alors, moi, ici, j'ai listé quelques-uns des mécanismes. Donc, un maître abusif peut exploiter la peur des conséquences karmiques négatives liées à la rupture du Samaya
Pour manipuler et contrôler le disciple, il peut insister sur le fait que rompre le samaya entraînera des obstacles sur le chemin spirituel et des conséquences négatives pour cette vie et les vies futures. Ce bloc-là, moi je l'ai vu dans la OKC se mettre en place contre des victimes d'abus sexuels et ça s'étalait jusqu'à leurs parents. Si tu remets en cause ton lama, tes parents vont mourir d'un cancer. Donc on utilise des peurs, on utilise des notions telles que la notion du karma et autres, en fait, pour vraiment, en fait, c'est ce que j'appelle la prison invisible, quoi. C'est cette espèce de murs invisibles qui entourent l'adepte, qui sont constitués de blocs essentiels en fait à la doctrine du bouddhisme tibétain et qui agissent comme des miroirs que l'adepte ne peut pas franchir. Et c'est extrêmement fort. C'est-à-dire que la personne, il y a des personnes qui sont persuadées que leur maître est capable de, je sais pas moi, de faits même, de pouvoirs surnaturels. Et c'est parce qu'elle croit dans ces choses-là que ces peurs finissent par exister. Et le soi-disant maître va utiliser ses peurs à son tour pour bien faire comprendre à l'adepte qu'en fait, il maîtrise effectivement ses pouvoirs et qu'il peut les utiliser quand bon lui semble. Et que pire, et que même, je dirais, des choses invisibles comme les protecteurs du dharma, qui sont des espèces d'énergies potentiellement courroucées qui ont été domptées, on va dire, qui sont devenues des protecteurs. Dans un monde invisible, hors de notre propre portée, que ces êtres-là, en fait, eux, ils vont se déchaîner sur l'adepte voilà, qui irait à l'encontre de son samaya. Et donc, en fait, la chaîne qui est mise autour du cou pour soutenir tout ça, elle peut être d'une façon, elle peut être en fait extrêmement forte. C'est-à-dire, au plus l'adepte y croit, au plus la chaîne est lourde. Et donc, comment se libérer de quelque chose qui n'existe pas quand tous les pores de ton corps, quand toutes tes logiques dans ton cerveau, etc., te disent que c'est comme ça et que si tu brises la chaîne, ça y est, quoi, l'enfer va se déchaîner sur toi, quoi. C'est Donc ça. les mécanismes sont très très forts parce qu'ils sont en partie renforcés par l'adepte et par la relation de domination, de dépendance qu'il y a envers le gourou racine. Ouais, c'est ça en fait. C'est un vrai cercle vicieux que tu montres là, parce qu'en fait le maître qui génère la peur est également celui en fait qui l'entretient, qui la conforte, qui Et fait en qu'il sorte qu'elle apaise aussi. perdure. Et qu'il apaise aussi. C'est-à-dire que le lama peut tout à fait te Selon son dire, attitude, oui. à un moment donné, il va te consoler, il va te calmer, il va te manipuler en fait complètement pour te dire que c'est pas grave, que ça n'a pas eu d'impact, etc. Et en fait, il va te faire perdurer dans la manipulation et dans l'abus, tantôt en te montant, tantôt en te descendant. Constamment dans une relation en fait d'ascenseur presque émotionnel et autres qui en fait te maintiennent complètement cadenassé dans cette relation abusive en fait où on n'est plus du tout dans une relation saine je dirais je sais pas qu'on pourrait retrouver je sais pas mais si on peut si je peux donner un exemple moins spirituel où on aurait imaginons un maître de karaté qui est là pour t'apprendre des arts martiaux et des gestes potentiellement très dangereux qui peuvent vraiment te faire mal en fait s'ils sont utilisés d'une manière voilà conclusive mais qui dans sa relation où il est en train de t'apprendre à faire ces gestes il ne les fait jamais sur toi et jamais il ne te fait du mal et si jamais il te fait un balayage pour te faire tomber par terre pour te montrer un acte de voilà une technique. Eh ben, il te rattrape toujours d'une façon ou d'une autre et que tu ne te fais jamais mal. Pourtant, toute la situation est potentiellement douloureuse et tu viens de te faire balayer et perdre ton équilibre, tu vas te péter la gueule, quoi. Et en fait, on te rattrape. Oui. Je dirais que le danger, en fait, il est similaire, mais dans une dimension spirituelle et invisible et souvent, en fait, complètement hors du contrôle, de l'adepte, en fait. Ça. Oui, et puis quand tu apprends un art, ici tu parles effectivement de ce sport de combat, c'est évidemment en vue de le perfectionner, d'être autonome et de pouvoir l'exercer par soi-même. Ce n'est pas évidemment en vue de rester en lien sous l'emprise conditionnée par celui qui t'a appris cet art, ce sport. Donc c'est évidemment toute la différence.
Voilà. Et après, bon, il y a vraiment y a différents mécanismes. Hein. Donc, on parlait tantôt de justifier les comportements inappropriés et abusifs du maître en utilisant les différentes techniques. Donc, en utilisant le lien de Samaya, le karma, en utilisant ce qu'on va aller plus loin, le contrôle des émotions, ça aussi. Donc, le fait de réfléchir, le fait d'avoir des doutes, le fait de remettre les choses en question est utilisé comme justement une manière de mater en fait toute forme de discernement ou toute forme d'auto-introspection et de se dire, mais tiens, moi, dans mon corps, je me sens pas bien quand c'est en train de se passer. Et en fait, on va t'apprendre à ne pas écouter ce genre de message. Et c'est pas que quelqu'un va t'apprendre d'une manière, comment dire, intentionnelle, genre je vais t'apprendre maintenant à ne pas réagir à ça. C'est plutôt un ensemble en fait d'entraînement qui, avec le temps, la répétition et le contexte, en fait, vont te rendre complètement insensible, en fait, à toi-même. Et que, du coup, quand les abus se déroulent, bah, tu n'as déjà plus, en fait, les outils pour les discerner et te rendre compte que la situation est abusive. Donc, c'est très progressif, et en même temps, c'est comme si c'était inéluctable. Une fois que tu rentres par cette porte-là, ça va vers là, parce que quels êtres humains aujourd'hui, dans une situation de pouvoir, sont capables de réellement se retenir et utiliser leur pouvoir et leur capacité d'une manière pouvoir qui est souvent donné par l'autre aussi, hein, mais qui voilà qui est capable de ne pas utiliser un pouvoir de domination qu'il peut avoir sur un autre. Il faut être quelqu'un de je sais pas d'exceptionnel quoi. De ça, oui. Et C'est des gens ça, c'est. exceptionnels, Mais on pourrait peut-être justement en particulier voir, si tu veux bien, ce qui justifie quelque part dans le bouddhisme, en tout cas tibétain, ce statut inférieur de la femme au travers un cas, entre guillemets, exemplaire, qui est celui de ce Guel Rinpoché qui choisissait, dit le documentaire d'Arte, on le voit, choisissait en fait parmi son parterre d'adeptes les plus jolies filles pour finalement les mettre à son service et finalement elles étaient esclaves. Et donc elle devait suivre les moindres faits et gestes de ce maître jusqu'à finalement se donner pour le coup coréen, c'est-à-dire aussi sur le plan sexuel, être complètement abusé et tout ça justifié, j'ai envie de dire religieusement. Bah voilà, c'est clairement un point commun entre Trungpa Sogyal et Robert Spatz, hein, où il y a clairement une sélection de personnes en partie par leurs aspects voilà leurs aspects physiques, mais par la nature aussi de leur genre et par dans le chef de Spatz très fort dans la possibilité qu'il avait de se dire celle-là, je pourrais l'exploiter ou je pourrais plus l'exploiter qu'une autre, quoi. Dans les deux cas, il y a une telle misogynie, en fait, une telle articulation d'un patriarcat, mais vraiment totalement abjecte, en fait, qui pour moi est indissociable en fait d'une partie de la nature du bouddhisme tibétain où il y a une culture quand même patriarcale et du voilà de la prépondérance en fait de l'homme où la femme même dans les pratiques la femme est une consort utilisée à des fins de pratique spirituelle et dans toute l'histoire en fait des grands maîtres qui existent le nombre de femmes connues qui aurait eu, soi-disant, qui aurait utilisé les mêmes techniques, mais avec des hommes, bah, curieusement, à part Yeshe Tsogyal, ça n'existe quasiment pas, quoi. Donc, c'est comme si les pratiques tantriques avaient été utilisées et avaient été gardées comme un monopole par des hommes afin d'être utilisées sur des adeptes, femmes exclusivement. Et que tout cela est caché, tout cela est gardé, en fait, comme si c'était des grandes initiations d'un très 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 haut niveau, qui ne seraient accessibles qu'à des pratiquants extrêmement avancés, etc. Alors qu'en fait, c'est toujours le maître qui va déterminer, en fait, quand est-ce qu'une femme
qu'il désire est apte ou pas à suivre cette pratique. Et il n'y a aucune logique, en fait, de soi-disant d'ancienneté et de pratique, voilà, soi-disant de réalisation au préalable, on va dire, de bouddhisme tibétain, qui justifierait ça. Surtout quand, en fait, la personne abusée est une mineure, quoi, et qu'elle n'a pas du tout d'années et d'années de pratique du bouddhisme derrière elle. Parce que donc, ça c'est un point, on va Ben revenir. oui, mais c'est la question du consentement en fait. Donc, parce que là, pour le coup, on parle de mineurs ici en plus, il s'agit clairement, évidemment, et simplement d'un viol. Mais le problème, c'est que c'est conceptualisé. Je vois des filles, notamment, effectivement, je crois, ce concept de folle sagesse. C'est ce qui permet en fait de se dire, voilà, il a un comportement inadéquat, a priori inadapté, anormal, mais c'est pour me faire moi grandir, et quelque part, c'est pour le bien de son propre karma. Ben là, on est purement dans la manipulation, quoi. Voilà, si on interroge ChatGPT voilà, le contexte des pratiques tantriques, celle-ci devrait en théorie se faire dans le respect des lois, des normes éthiques et les droits de l'homme. J'aurais plutôt dit les droits humains, mais la participation de mineurs dans des activités sexuelles est contraire aux lois et aux normes éthiques universelles, ainsi qu'aux principes fondamentaux du bouddhisme, qui mettent l'accent sur la non-violence, la compassion et le respect d'autrui. Et donc ça, en fait, là, je vous lis voilà, un paragraphe écrit par ChatGPT, qu'en fait, quand vous prenez un texte tantrique qui va décrire, en fait, les actes voilà, de pratiques sexuelles, transformer, on va dire, de l'énergie sexuelle en énergie spirituelle à des fins de soi-disant d'une quête de l'éveil, il n'y a pas écrit, hein, que le consentement, il faut garder le consentement à vue, il faut respecter les lois démocratiques. Tout ça, c'est de l'interprétation qu'en font une intelligence artificielle sur la nature de textes qui sont quand même profondément choquants, en fait, quand on va les consulter. Et sur lesquels on peut brièvement, voilà, on peut revenir dessus, mais il y a différents tantras qui décrivent des pratiques de méditation et de yoga, y compris l'utilisation du yoga du consort, Karma Mudra, pour transformer les énergies corporelles en énergie spirituelle. La transformation des énergies sexuelles en énergie spirituelle est de l'union des principes masculins et féminins. Allez, Un de ces tantras décrit les pratiques de méditation et de yoga liées à la divinité Chakrasamvara et sa consort Vajrayogini. Le texte inclut des descriptions de pratiques impliquant un consort pour atteindre l'éveil spirituel. Donc en fait, ici, on est dans des pratiques qu'on appelle les tantras voilà, dans le bouddhisme tibétain, dans sa branche du Vajrayana, qui sont soi-disant des techniques pour accéder à l'éveil spirituel en mode raccourci, quoi. Sauf que dans ces textes, en fait, et différentes personnes beaucoup mieux placées que moi, notamment des femmes qui ont subi des abus dans ce sens-là, elles vont vraiment, en fait, elles expliquent, en fait, moi je dis ça pour avoir parlé avec elles, mais elles expliquent vraiment, en fait, de comment la femme, en fait, est presque utilisée comme un corps nécessaire à une pratique, mais on s'en fout complètement, en fait, de la personne en tant que telle, de ses droits, de ses envies, de son. Tout est décrit, en fait, comme si c'était un honneur gigantesque de pouvoir être mis au service du maître de la sorte. Et on pourrait même dire qu'en fait, l'histoire de Yeshe Tsogyal, qui est une, voilà, je dirais peut-être, je sais pas, une des premières victimes du bouddhisme tibétain, elle se fait quand même gangraper par cinq brigands, et dans son histoire, c'est raconté comme si c'était, je sais pas moi, une expérience mystique, quoi, tu vois. On te raconte une femme qui se fait violer par cinq brigands, et on te raconte cette histoire comme si c'était, voilà, c'était je sais pas, les fables de La Fontaine, et que le héros avait dépassé tout ça, tu vois. On te présente Yeshe Tsogyal comme une héroïne tibétaine, la consort parfaite qui aurait réussi à dépasser son ego, qui aurait réussi à tout dépasser et qui du coup percevrait son viol comme pas un viol, en fait.
Et donc, du coup, en fait, tu retrouves dans des textes, en fait, des justifications comme ça. Après, il y a d'autres personnages, hein, Drogba Cunlé et d'autres personnages dans, en quelque sorte, la mythologie tibétaine, qui ont des comportements, mais c'est carrément illégaux, criminels, en fait, et qui sont portés au nu, où soi-disant le lecteur devrait percevoir ce qui est décrit dans l'histoire par-delà, en fait, les limitations de la réalité relative. Et qu'il faudrait voir tout ça à travers le spectre de la réalité absolue, où en fait tout ça, en fait, c'est une énorme chance, un énorme enseignement, et que c'est une démonstration, en fait, de son absence d'ego, et qu'en fait c'est une merveilleuse histoire avec quelqu'un d'éveillé qui montre un enseignement ultime, quoi. C'est d'une telle violence, en fait, envers les femmes, que c'est, voilà, Mais oui, tout à fait. c'est profondément choquant, en fait, de Oui. voir qu'en fait, il n'y a aucune. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est ChatGPT qui conseille, pas qui conseille, mais qui résume en quelque sorte le cadre dans lequel ces pratiques-là, en principe ou en théorie, devraient se faire. En somme, la participation de mineurs dans des rituels tantriques impliquant des relations sexuelles est contraire à l'éthique bouddhiste et aux lois internationales, mais ça, en fait, c'est une lecture extrêmement occidentalisée et rationalisée. Là, on est clairement, en fait, face à des garde-fous, en fait, qui sont mis Oui. en place par l'outil d'entraînement de l'intelligence artificielle, qui vient, en quelque sorte, mettre des garde-fous concrets, dus au fait que la question qui a généré, on va dire, ce texte, impliquait le terme mineur, sexuel, etc. Et donc, on se retrouve avec des garde-fous qui, en fait, n'existent pas dans le texte d'origine, en fait. Et Et on aujourd'hui, il y a rien qui te permet de dire, on va remettre tout ça en question, on va réécrire, en quelque sorte, on va actualiser les textes par rapport à l'époque et aux lois actuelles. Et au contraire, non, ces textes sont comme figés dans le temps et dans l'espace, et ils sont transportés de génération en génération ou d'école en école comme étant des briques fondamentales qu'on ne pourrait absolument pas toucher, qu'il ne faudrait absolument pas toucher. Et à la limite, c'est l'époque qui n'est pas prête. C'est-à-dire, on met le texte au-dessus de l'autel, en quelque sorte, et on dit, attention, ces textes sont dangereux parce que l'époque n'est pas prête à vivre les choses comme dans ces textes. Il n'y a aucun moment où ils se disent, non, mais en fait, la manière dont c'est fait, en fait, c'est profondément criminel. Il faudrait potentiellement revoir les textes pour les adapter à l'époque actuelle. Oui, mais c'est ça en fait, Ricardo, c'est ça que je voulais dire également, c'est que dans le documentaire, d'ailleurs, c'est très bien retracé. À un moment donné, quand on pose une question, je sais plus à quel maître, mais où effectivement il est question d'abus, il dit ben oui, effectivement, on doit faire plus attention dans les centres en Occident parce qu'en fait, ce n'est pas leur façon de vivre, de concevoir le bouddhisme, et donc en fait, il y a une différence culturelle à laquelle il faut avoir égard. Et donc c'est effectivement sous l'angle du distinguo culturel que l'on cherche à dire, ben voilà, ils ne sont pas prêts, comme tu dis, et c'est pas leur culture, donc on doit s'adapter, comme si en fait, dans un autre milieu, c'était du coup tout à fait acceptable, quoi. Mais c'est ça, c'est ça qu'ils sont en train de te dire et que je trouve qui devrait réveiller, on va dire, les consciences occidentales, en fait, sur toutes ces questions, et d'arrêter, en fait, d'importer des textes, je sais pas moi. Imaginons que c'était de l'islam qui permettait ou qui recommandait de d'égorger telle et telle personne parce qu'elles ne sont pas croyantes. Et aujourd'hui, il y a énormément de musulmans qui ne pratiquent pas du tout cet islam-là. La majorité, en fait, tout simplement, des musulmans ne pratiquent pas du tout cet islam-là. Et il y a une claire, de plus en plus, il y a une claire compréhension qu'en fonction de l'interprétation des sourates et des textes, en fait, on peut quasiment faire dire un peu n'importe quoi à ces textes et que l'interprétation est capitale, en fait, dans la manière dont une religion est pratiquée, que ce soit le christianisme, l'islam ou j'oserais le dire, le bouddhisme. Et en fait, dans le bouddhisme tibétain, en fait, on vient te faire comprendre que le Vajrayana, il est parfait, il est pur et qu'il est intouchable et qu'on ne peut pas le toucher, même une virgule, on ne peut pas le toucher. Et que même la notion même de Guru Yoga, de la folle sagesse, ce qu'ils appellent les moyens habiles pour arriver, on va dire, à faire évoluer l'adepte dans sa quête spirituelle,
Tous les moyens habiles sont bons. Le seul problème, à la limite, c'est les lois et les droits humains qui viendraient potentiellement mettre des bâtons dans les roues, quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est tous les signes en fait d'une religion fondamentaliste qui ne se remet pas en question, qui n'évolue pas avec son temps, alors que justement, le bouddhisme se présente très très souvent comme une religion multiforme qui s'est adaptée, on va dire, à tous les environnements politiques et géopolitiques dans lesquels elle s'est développée, que même en arrivant en Occident, le bouddhisme s'occidentalise, oui, mais à quel point? Et surtout, on voit le peu de pouvoir en fait que les bouddhistes occidentaux ont pour réellement dire, nous maintenant, on arrête d'enseigner ça, on va plus jamais parler de ces textes-là, on rejette ces textes-là comme étant des textes qui peuvent amener à des abus, et on veut pas les prendre. Eux, les bouddhistes occidentaux, même ceux qui ont étudié 20 ans, n'estiment pas avoir le droit de se dire, bah tiens, il faudrait faire ce genre de choix. Pour justement protéger en fait les gens qui s'intéressent au bouddhisme tibétain. Il y a pas du tout cette recherche-là. Donc dans ces conditions-là, ben voilà, on nage dans les abus, on nage vraiment dans les abus, quoi. Oui, c'est d'autant plus difficile à concevoir, évidemment, qu'on a cette image un petit peu magnifique du bouddhisme comme étant justement une sagesse qui se veut universelle, qui va venir peut-être remplacer justement les religions. Et on voit finalement que, comme les autres religions, en leur sein, il y a les mêmes abus, pour le coup, systémiques aussi. Voilà. Voilà. On va peut-être passer Oui. aux quatre points. Attends, c'était ça, c'est ça, quatre points principaux de, on va dire, de l'abus, en fait, des comportements abusifs. Bon, le concept de folle sagesse, il est très fort, il a très fort pris son ampleur avec Shogyam Trungpa et donc son centre américain Shambhala. Mais Sogyal Rinpoche de Rigpa en France, elle découle, enfin, son comportement découle en fait exactement des mêmes principes. Et en fait, ça vient littéralement, la notion de moyens habiles vient littéralement du bouddhisme tibétain comme étant voilà, une des caractéristiques d'un grand maître en fait. C'est que c'est soi-disant sa vue et sa perception absolus qui vont faire comprendre, enfin qui vont lui faire comprendre comment et quels moyens habiles utiliser envers son adepte dans le but de briser ses habitudes mentales rigides et son attachement et ses illusions. C'est un danger mais phénoménal quand on se retrouve coincé par le concept de Samaya, donc le lien de maître à disciple, coincé par la notion du karma. Coincé par le contrôle, son propre contrôle des émotions qui empêche de remettre des choses en question. Et vous rajoutez par-dessus ça la folle sagesse, et bien en fait, voilà, vous êtes en train de nager dans un système complètement toxique où vous êtes entraîné à penser que la manifestation des moyens habiles utilisés par le maître sont faits dans votre propre intérêt et qu'à la limite, c'est vous qui ne les comprenez pas. C'est absolument terrible. Imaginons, parce que moi je ne vois pas d'autre manière de comparer ça qu'à une forme vous savez, de BDSM en fait, hein, de relations sexuelles, de domination, où dans un BDSM soi-disant éthique, en quelque sorte, le consentement, la notion du consentement, elle est mais primordiale, quoi, et qu'il y a des mécanismes, toute une série de mécanismes en fait qui permettent à la personne dominée de dire où est sa limite. Et le dominant est censé totalement, radicalement écouter la personne dominée dans ce jeu et respecter son intégrité physique. Et ben, dans le bouddhisme tibétain, dans une situation de maître à disciple, et ben, il n'y a pas ces mécanismes, en fait. Il n'y a pas ces mécanismes qui permettent justement de faire en sorte que le consentement, même, on dit que, par exemple, une relation sexuelle, même dans un couple consentant, et puis tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, la femme voudrait arrêter, ou l'homme voudrait arrêter pour une raison ou pour une autre. Et donc, on peut partir du principe que, voilà, imaginons que la relation était consentante, et puis que tout d'un coup, elle ne l'est plus, pour une raison ou pour une autre. Et que, à partir du moment où elle ne l'est plus, même dans l'acte, si l'acte continue, c'est une forme de viol.
Ok? Eh ben, ici, en fait, de nouveau, on n'a pas ces mécanismes, en fait, qui permettent de se dire, ok, à la limite, je voudrais bien, je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un pourrait se dire, ok, je vais mettre ma vie entre les mains de je ne sais pas qui. Mais je voudrais mettre un code précis, en fait, qui me permet quand même de garder le contrôle sur mon propre discernement, mon intégrité physique, mon intégrité spirituelle, etc. Or, ici, en fait, on te dit, abandonne tout ça. Ah oui, c'est ça, Parce oui. que tout ça, c'est des habitudes mentales rigides. Voilà. Oui. Tu abandonnes toutes ces choses et le maître va t'amener là où il voudrait t'amener pour ton propre bien. Et, voilà, c'est extrêmement dangereux. En fait, il y a aussi un côté, en anglais, on dit gaslighting. En français, je ne sais pas comment on traduit ce terme, mais c'est le fait de projeter. En fait, donc imagine, je te donne une baffe et puis je te manipule en projetant qu'en fait ma baffe, elle avait une dimension à la limite spirituelle ou une raison d'être en fait qui va par-delà la perception que toi tu peux avoir de l'acte physique en tant que tel. Oui, bah oui. On en revient à nouveau au fait que on doit se couper de son ressenti pour aller au-delà. Et donc là, Voilà. effectivement, on se nie totalement, quoi. Voilà. Minimisation des préoccupations des disciples, érosion des limites personnelles, culte de la personnalité. Voilà, ces quatre briques en fait de la folle sagesse, elles peuvent aller voilà, elles peuvent aller n'importe où, elles peuvent aller au viol, elles peuvent aller à des tas de situations complètement en fait criminelles, mais tant que la personne en fait n'arrive pas à briser en fait ce fameux lien de Samaya et le voile en fait qui l'obscurcit et qui fait qu'en fait soi-disant le maître est capable d'utiliser tous ces mécanismes tout en la maintenant dans une logique d'emprise. Tant que la personne n'arrive pas à briser ça, eh ben ses habits peuvent durer des années et la personne peut même se retrouver à aller volontairement à une session d'abus. Et on pourrait même dire d'un point de vue je sais pas moi légal juridique que ben non, que la personne est venue d'elle-même en niant complètement l'emprise en fait, en niant le fait que il y a une forme d'emprise préalable nécessaire avant d'arriver à la folle sagesse. On rencontre pas comme ça un maître tibétain et puis boum, on passe à la folle sagesse, ça n'arrive jamais. On rentre par la porte normale, on est un élève, on participe à un été, on est un bénévole. Puis pour finir, on est très belle ou on est très beau ou on est je sais pas quoi et on se retrouve à rentrer dans un engrenage qui peut parfois prendre des mois ou des années jusqu'à arriver au moment où en fait on a perdu le contrôle de tout. Oui. Et ce qui est triste à chaque fois, finalement, quelle que soit de nouveau la croyance religieuse à laquelle on adhère, c'est que quelque part, il y a toujours un idéal absolument incroyable. Il y a quelque chose de magnifique dans l'être humain qui veut donner sa vie, donner un sens à sa vie, qui a un absolu et qui se fait happer finalement. Son absolu est happé par un pervers qui va finalement détruire sa personnalité au lieu de rencontrer cet absolu en respectant cet absolu et cette singularité de chaque être humain, quoi. C'est la perversion ultime, quoi, quelque part, d'abuser à ce point de quelqu'un qui vient avec une envie magnifique en soi. Oui, non, c'est pour ça que je dis souvent que non seulement enfin, dans le cas d'Ocassé, mais dans le cas même de Rigpa et de Shambhala, il y a eu des viols physiques, sexuels, mais il y a aussi eu une forme de viol spirituel. Il y a vraiment une forme de. Voilà, de brisure en fait de l'individualité de la personne à des niveaux en fait qui sont pas du domaine physique et qui vont prendre des années si pas parfois toute une vie en fait à se voilà à se guérir en fait tellement en fait la profondeur de l'abus quand il est spirituel je pense associé au physique. Crée en fait une situation de souffrance en fait qui est inconcevable. Enfin, moi,
J'en parle un tout petit peu parce que je suis en contact avec différentes victimes, que je sais un petit peu petit à petit faire des ponts entre des victimes de Shambhala, des victimes de Rigpa, des victimes d'Okassé, et me rendre compte en fait où sont les points communs. Mais en fait, voilà, je reste un homme et je me fais le porte-parole de ces vérités tout en étant moi-même épargné en fait par ces violences, quoi. Oui, mais ce qu'on espère évidemment avec cette dizaine d'années qui vont être nécessaires avant finalement que les abus ne sortent enfin de terre, si je puis dire, c'est qu'à un moment donné, les autorités religieuses prennent réellement conscience de l'ampleur systémique des dégâts et puis effectivement, comme notamment dans l'Église catholique, commencent à réparer parce que les victimes en sortent parfois fracassées. Ça nécessite un suivi. Médical souvent, et puis on quitte sans un sou, et il faut reconstruire une vie, éventuellement une famille, donc repartir de zéro, et tout ça sans l'aide en fait de quiconque. Donc, ça, c'est peut-être évidemment la justice Oui. ici en France qui vous permettra à vous, les victimes ou à celles qui se constituent partie civile, de mettre effectivement en place cette possibilité de prise de conscience, puisqu'elle vient souvent, on l'a dit, de l'extérieur, et aussi, espérons-le, cette réparation financière qui est un élément absolument indispensable à la reconstruction physique et psychique. Oui, et en principe, et c'est un peu le titre de ce slide, parce qu'à nouveau ici, c'est un commentaire de ChatGPT sur la. C'est un petit peu une mise en garde de ChatGPT face à la folle sagesse ou potentiellement dangereux qui ne doit être utilisé que par des maîtres spirituels véritablement réalisés et compétents. Mais comment on les trouve, ces maîtres réalisés et compétents? Et donc, en fait, c'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire que vous allez retrouver dans ces textes des notions écrites qui disent. Effectivement, il faudrait que ce soit un maître réalisé et compétent qui puisse utiliser ce concept de folle sagesse, mais il n'y a absolument rien en fait qui te permet de savoir qui ils sont, où est-ce qu'ils sont, quand est-ce que tu sors de la folle sagesse ou quand est-ce que tu y rentres. En fait, dans les mains d'un maître abusif, la folle sagesse peut devenir un outil de manipulation et d'exploitation. Les disciples doivent exercer un discernement, une vigilance constante pour s'assurer qu'ils sont dans une relation saine et bienveillante avec leur maître spirituel. Et donc même ChatGPT, il remet sur la gueule des disciples Oui, c'est dire qu'il est vachement. la capacité de discernement. Et Il est ça, très. en fait, je trouve ça dingue, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est parce que les textes duquel il s'inspire pour arriver à ses conclusions et aussi à ses mises en garde, eux-mêmes, en fait, utilisent et mettent sur la gueule du disciple. Le rôle en fait d'être la police de ce qui lui arrive. Oui. C'est un peu on te met une religion avec des gens qui sont potentiellement hyper dangereux, mais c'est un secret, c'est une pratique que pour les initiés. Si jamais ça t'arrive, waouh, c'est une initiation. Et si t'es pas content des résultats, bah, t'avais qu'à avoir le discernement pour le comprendre. Oui, non, là, effectivement, on a l'impression dans toute la splendeur, mais de toute façon, je pense que quand on cherche à mêler sexe et spiritualité, je pense qu'à ce moment-là, il y a déjà évidemment à la base un abus, un manque de discernement et en tout cas une volonté d'emprise. Parce que quelque part, c'est ça aussi qui est un peu particulier, parce que le bouddhisme, c'est quand même ne plus souffrir, c'est quitter son ego. Et ici, finalement, à travers un concept, parce que c'est conceptualisé, la folle sagesse, c'est un concept en tant que tel, finalement, est-ce que ce concept vient frontalement remettre en cause ce qui est normalement censé être le bouddhisme, qui est censé être une sagesse, une maîtrise de soi et un éveil. Alors j'avoue que j'ai quand même du mal, j'ai du mal à mettre les deux concepts en lien, parce que pour moi, c'est tellement opposé. Mais pour moi, ils sont opposés. C'est-à-dire que pour moi, le concept de folle sagesse n'est pas compatible avec le bouddhisme. Point à la ligne, quoi. Ça s'arrête là. Et que le fait de le maintenir en vie, d'écrire des bouquins dessus, de justifier ses comportements comme étant des comportements purs dans l'absolu et qui seraient à la limite mal perçus par la société. Pour moi, tout ça, ça articule et ça met en place des mécanismes d'emprise, d'abus et d'actes criminels, en fait. On n'a beau se cacher derrière une religion
une philosophie, tout ce qu'on veut pour en fait faire passer ça, ça reste profondément des mécanismes voilà, qui amènent à des formes de souffrance qui sont totalement contraires en fait au principe de base du bouddhisme tout court en fait. Donc voilà, c'est surtout que ce qui est demandé pour faire un point sur ça, ça c'est ce que vous avez à l'écran là, c'est les qualités et les caractéristiques recommandées pour une consort. Hein, pureté mentale, dévotion et foi, capacité à maintenir des visualisations complexes, connaissance et compréhension des enseignements bouddhistes. Mais je sais pas, hein, mais il faut toute une vie hein, pour arriver à rien qu'à ces quatre-là, toute une vie quoi. Et donc quoi, vous avez quelqu'un comme dans le chef de SPAT ou même dans le chef de la suite des abus sexuels qu'il y a eu chez Shambhala où il y a eu des abus sur mineurs. Quoi, vous avez un soi-disant maître qui vient, parce que c'est ça, hein, leur point commun, hein, c'est que vous avez un soi-disant maître qui vient dire à quelqu'un qui est à peine une adolescente qu'elle a une pureté exceptionnelle, qu'elle a des capacités énergétiques hors du commun, que. Donc, on est quelqu'un qui vient dire, voilà, en fait, je te le dis pas avec ces mots-là, mais en fait, tu es prête pour être ma consort. Oui, bah oui. C'est juste absolument, absolument dingue, quoi. Et que du coup, qu'on laisse ça, voilà, c'est maturité spirituelle, discrétion. Alors ça, je voulais faire un point sur ça, parce que la pratique du Karma Mudra et d'autres pratiques tantriques est souvent considérée comme ésotérique et confidentielle. Par conséquent, une consort doit être en mesure de préserver la confidentialité des pratiques et des enseignements. Ça, la discrétion, je dirais même, je remplacerais même le mot discrétion par secret, c'est de nouveau un point commun entre la dérive à Shambhala, la dérive chez Rigpa et la dérive chez Okase, où le secret et l'initiation tantrique, en fait, couvaient le tout, en fait, sous un, voilà, sous un vernis, en fait, voilà, de confidentialité, d'unicité, de privilège, d'honneur. On met ça comme on veut. Mais en fait, si on relie en fait l'abus au secret et qu'ensuite on amène le secret, on le relie au Samaya, au fait voilà, de suivre son maître sans le remettre en question. Ben en fait, voilà, vous avez une super triptyque en fait où en fait ben, les abus vont rester secrets. Parce que remettre en question les abus, c'est remettre en question son maître. Remettre en question son maître, ben en fait, c'est pas lui faire confiance, et donc c'est une brisure de Samaya. Et voilà, vous avez un super loop en fait qui vous permet de constamment garder l'adepte dans une situation où en fait il n'arrive pas à récupérer son discernement jusqu'au moment où le voile se brise et jusqu'au moment où la peur en fait change de camp. Et la peur, elle change de camp quand effectivement le secret est brisé et quand tu racontes à tes parents ou quand tu racontes autour de toi ou à des personnes qui sont chères, voilà, en fait, j'ai vécu ça, j'ai vécu une initiation soi-disant tantrique, c'était en fait un abus sexuel, ça m'a pris des années à le voir. Et ça, c'est des faits, voilà, c'est des vraies histoires racontées par des dizaines de femmes depuis les années 70, où en fait, il y a eu un chemin énorme pour réussir à quitter la perception du conditionnement dans lequel les abus avaient été faits, jusqu'à voir la chose telle qu'elle était. Et donc, un abus, point. Oui, et les Et documentaires en parlent très bien justement par rapport effectivement à la difficulté pour une jeune femme de briser ce secret, parce que le maître a inculqué évidemment que briser le secret, c'était non seulement évidemment être en porte-à-faux par rapport au maître, par rapport à l'enseignement, mais aussi ça avait des répercussions sur la santé, la vie même des personnes de sa famille. Donc elle était censée, c'est extrêmement lourd à porter, quoi. voilà. Alors, je dirais que le dernier élément en fait que je constate et que j'ai remarqué en fait que beaucoup de victimes que ce soit à Shambhala, Rigpa ou Okase ont subi en fait c'est la notion de d'Arvo hein, qui est l'acronyme pour Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Donc inverser les rôles de victime et d'agresseur. C'est développé par le psychologue Jennifer Freud pour décrire un comportement de manipulation couramment utilisé par les agresseurs pour éviter la responsabilité et maintenir le pouvoir sur leurs victimes. Dans le contexte de bouddhisme tibétain,
Dans un contexte de maître à disciple abusif et dans un centre bouddhiste tibétain où la sangha est elle-même sous l'emprise du maître et d'un lien de samaya abusif, la notion de dharmo peut se manifester de plusieurs façons. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, c'est tellement le cas entre les différentes dérives, en fait, où tu te retrouves en fait à ce que la sangha, qui est censée être la communauté des pratiquants, qui est censée être voilà, des personnes de bonne volonté autour de toi qui sont aussi dans une forme de quête spirituelle, mais qui, dans une situation où elles, en fait, elles sont épargnées, imaginons, vous avez la majorité de la sangha qui est épargnée par l'abus. Okay? Ça se passe dans un centre, la majorité de la sangha qui est là, elle n'est pas directement proche du lama et en train d'être abusée d'une façon ou d'une autre. Et donc, elle, tout ce qu'elle voit d'un point de vue extérieur, c'est que le lama, il est parfait. Et que quand il donne ses enseignements, il dispense la bonne parole à tout le monde, et il le voit constamment dans une attitude, on va dire, publique, où il n'y a pas de dérive à proprement parler. Et encore, il se peut encore que d'un point de vue public, comme c'est le cas de Sogyal, qui a frappé des personnes publiquement lors de grands séminaires, etc. Là aussi, où vous aviez des centaines de personnes qui voient la situation d'une femme qui reçoit un gros coup de poing dans son ventre, et les gens autour sont tous tétanisés. Il n'y a personne qui ose se dire, mais tiens, en fait, il vient de la frapper. Ou il n'y a personne qui ose se dire, comme ça a été le cas chez Okase, Robert Spatz qui donne une gifle à un de ses adeptes qui lui pose une question, et il n'y a personne qui se dit, mais tiens, l'acte de la gifle, en fait, il provoque une souffrance, et en fait, c'est contraire aux préceptes eux-mêmes. Et donc, en fait, et là, on se retrouve dans des communautés qui sont sous l'emprise, en fait. Elles n'ont pas la capacité, le discernement et la liberté, l'autonomie de percevoir ce qui les entoure comme, voilà, comme pour ce que sont ces actes, en fait. Et donc, même si elles ne font pas partie du cœur intime, on va dire, des personnes, comme dans le documentaire, on appelle le Lama Care chez Sogyal, il y avait aussi une forme de lama care chez Shambhala, et il y en avait aussi hein, chez Okase. Les personnes qui ne sont pas au courant et dans le nid, on va dire, des privilégiés, entre guillemets, de ces dérives, toutes ces personnes-là, en fait, elles finissent par leur silence et par leur non prise de position, en fait, par rapport à ce qu'elles viennent de voir. Elles finissent, elles aussi, en fait, par être des facilitateurs ou des facilitatrices de l'abus, puisque leur silence permet en fait à l'abuseur, au manipulateur, de monter en puissance, en fait. Parce qu'à chaque Oui, fois que la communauté ne va pas réagir, bien sûr. eh ben l'abuseur il va pouvoir monter en puissance. Ça assoit son autorité, c'est sûr Voilà. que c'est une forme de complicité passive, en tout cas, oui. Voilà. Et ensuite, si jamais, par exemple, et ça a été très fort utilisé chez Okase, il y a les perquisitions de police de 1997, et Robert Spatz, quand il s'exprime comme quelqu'un de persécuté. Il se compare d'ailleurs lui-même aux Juifs, comme quoi il était persécuté parce que la communauté vit d'une manière différente, etc., etc. Donc c'est tout des mécanismes, des systèmes en fait, qui sont utilisés face aux ouailles, face aux adeptes, en fait, pour renverser la situation et se prétendre persécuté là où on est soi-même un acteur en fait, d'actes criminels. Et après, cette situation, elle peut aussi se retourner, tous ces mécanismes peuvent aussi se retourner contre la victime qui ose parler. Donc la victime qui ose parler, elle va se retrouver avec non seulement on va lui faire comprendre qu'elle est folle, qu'elle est instable psychologiquement, ils vont la discréditer, ils vont lui faire des pressions parce que le fait qu'elle révèle ses abus, ben, en fait, ça va mettre le centre à mal. Donc en fait, il y a un déni, en fait, de la réalité de la victime, alors même qu'il se prétende bouddhiste, hein, un déni de la réalité de la victime et une appropriation, en fait, de la situation de victime en disant, ben non, c'est nous que vous mettez à mal parce que vous avez osé décrier, enfin, et faire savoir, en fait, les actes criminels pour lesquels vous avez été victime. Et du coup, vous allez mettre tout le centre à mal. Et donc, en fait, la pression sociale est gigantesque dans une situation où la victime vit, par exemple, dans la sangha, enfin, dans la communauté, et où elle n'a pas d'autres points de repère, où ses parents sont même potentiellement dedans, sont eux-mêmes des adeptes.
Et donc, le poids social d'une prise de parole et voilà, de s'affirmer et de dire, voilà, c'est juste absolument gigantesque, en fait, hein. C'est impossible à vivre. C'est C'est gigantesque, d'autant plus quand effectivement la société, dans son ensemble, ne voit pas où est le problème, parce que finalement le problème il est vécu en interne, et c'est vrai aussi par rapport évidemment du coup au bouddhisme, à la mode occidentale, où finalement là on ne voit que la sagesse, la promesse de bonheur, de compassion, de charité et d'éveil, un peu type développement personnel très à la mode en Occident, quoi. Ou aussi, une des raisons qui font que la communauté peut protéger le maître avant de protéger la victime, c'est que le fait que le maître soit perçu autrement que comme un maître, en fait, et que en fait, l'acte de l'abus en lui-même suggère que le maître est un violeur, potentiellement, qu'il a fait un acte criminel, remet du coup chez la personne qui n'est pas directement victime tout en cause, parce qu'elle a confié sa vie et sa quête spirituelle dans cet être. Et ensuite, cet être s'avère être un prédateur. Et donc, du coup, le fait de devoir écouter la victime implique de remettre en question le maître. Et donc, elle-même, elle se retrouve prise dans ce loop, brisure de Samaya, remise en question du maître, etc. Et donc, face à voilà, une potentielle remise en question, elle va préférer se réfugier dans l'attaque de la victime réelle et de se dire, ben non, en fait, c'est toi qui es folle et je ne t'écoute pas et dégage du centre parce qu'en fait, tu es une source de négativité, tu n'as pas compris les enseignements, 36 000 excuses qui vont être utilisées pour permettre en fait aux autres adeptes de ne pas se remettre en question. Et ça, en fait, c'est des conséquences qui sont extrêmement, extrêmement difficiles à vivre pour les personnes qui sont dans ces communautés et qui parfois ont fait, de par le côté un petit peu exclusif du fonctionnement de ces communautés, font qu'en fait, les personnes de la communauté finissent par être leurs amis, leur centre social, leur cercle social, etc. Et que donc, sans faire exclure, c'est pas juste, vous allez à l'église le dimanche et il s'avère que voilà que le prêtre a potentiellement fait un abus et donc vous changez d'église potentiellement. Mais vous restez, vous n'êtes pas directement la personne abusée, mais vous avez une certaine distance par rapport à tout ça et vous vous dites, bah, moi je vais plus à cette église-là, voilà. Ou tant que ce prêtre est là, je vais plus à cette église-là. Et encore, je ne sais pas si c'est en train d'arriver, mais. Mais c'est pour essayer de faire un pont entre différents types de fonctionnement. Il y a plein d'endroits où, en fait, décider d'aller à une autre église ou d'aller à une autre communauté, eh ben, c'est perdre parfois 20 ans de relations sociales et de construction sociale, en fait, qui rendent en fait, le déplacement possible. Oui, mais comme dans le bouddhisme tibétain dont on parle, dans l'Église catholique, c'est pareil aussi. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas simplement telle ou telle personne qui le cas échéant est abusif, c'est aussi qu'est-ce qui permet à ce système d'être abusif. Au-delà d'un abuseur, il y a effectivement un système d'abus qui permet à l'abuseur d'œuvrer en toute impunité, puis éventuellement d'être déplacé d'un diocèse à un autre, quand effectivement ça commence à s'ébruiter parmi les paroissiens ou dans la société. Donc c'est un travail. Pour moi, le système dans le bouddhisme tibétain, il est principalement maintenu par le silence des non-hiérarchies, hein, parce qu'on te dit que le bouddhisme tibétain n'est pas hiérarchisé comme d'autres religions, mais leur silence n'en est pas moins activateur et facilitateur en fait de la perpétuation des abus. Et quand je dis leur silence, c'est pas que potentiellement d'autres grands maîtres, c'est aussi des institutions comme les unions bouddhistes, comme voilà, qui en fait se doutent qu'il y a quelque chose de pas bien, et pour différents intérêts, différentes raisons, comme cet article dans Le Vif de 1997 où la fédération bouddhiste belge de l'époque dit on pensait que le karma allait faire son œuvre. Hein, à propos de Robert Spatz et de Lao Kassé.
Oui, mais c'est ça, on utilise des concepts pour justifier l'injustifiable. C'est pour ça que ça part en Voilà, forcément en vrille. ce faisant, on participe même involontairement à la perpétuation des abus. Oui, tout à fait. Ah, voilà, c'est là en fait que pour moi on a un système. C'est pas parce qu'on fait partie d'un système d'une manière inconsciente que ce système n'existe pas, en fait. Non. Et donc si on n'en prend pas conscience et si en plus de ça on est un acteur même indirect et qu'on fait rien pour véritablement mettre des garde-fous et des changements et des prises de conscience vraiment réelles. Eh ben, on se retrouve avec voilà, encore une autre affaire en justice en France où une personne qui fait une retraite de 3 ans, donc c'est une pratique qu'on retrouve dans le bouddhisme tibétain, une retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours, et elle se fait abuser sexuellement dans sa retraite. Et en même temps, elle s'est engagée à faire une retraite de 3 ans, un peu comme si vous rentriez dans une prison pendant 3 ans, 3 mois, 3 jours, et que vous êtes de nouveau, on va dire, soumis à des traditions, une culture, un engagement que vous avez fait pendant 3 mois, 3 ans, 3 jours, etc. Tout ça, en fait, vous empêche de sortir, alors Oui. même que vous êtes dans une situation d'abus, face à quelqu'un qui était censé être votre maître. Oui. C'est une histoire vraie, ça se passe en France. Et voilà, que fait-on, en fait? Que fait-on pour se dire que... Enfin, quels mécanismes peuvent être mis en place par les différents centres bouddhistes tibétains pour que ce genre de choses ne puisse juste jamais, jamais se dérouler? Et bon, malheureusement, je n'ai pas encore d'exemples concrets de choses, de mesures vraiment véritablement concrètes qui sont là, qui ont été mises en place récemment, et de, je sais pas comment on dit, de check and balance, tu vois, des mécanismes de, pas de surveillance, mais des mécanismes de, tu Des vois, ou garde-fous, quoi. des garde-fous, mais aussi des mécanismes Oui, de pour vérification, c'est en fait. ça, oui, pour s'assurer que S'assurer ça qu'il n'y a fonctionne de manière saine, quoi. voilà. Et voilà, on est Oui. on va dire au cœur de cette Bah oui, mais bon, je veux dire, les abus sont à peine en train d'être visibles, et la prise de conscience de se faire, du coup, qu'on est encore à une étape évidemment intermédiaire et certainement très très longue avant, éventuellement, espérons-le, d'assainir ce qui doit l'être. Hein. Donc voilà, Ricardo, je ne sais pas si tu souhaites encore Je pense que poser j'ai trop dit. une pierre à l'édifice, ou bien si on a fait le tour. Alors, écoute, je ne pense pas que tu en aies trop dit. Je pense qu'on a effectivement été long, parce que je pense qu'il y avait énormément de choses à dire, d'où aussi l'intérêt d'avoir ce premier échange où il était plus question, dans un premier temps, de partir de ton propre vécu. Pour, je l'avais dit, savoir d'où tu parles, et que tu ne parles pas de fait en théorie, mais comme ex, entre guillemets, adepte, ce qui t'a permis d'en sortir aussi, et puis de retracer les abus spirituels et sexuels qui ont été rendus possibles. Mais alors, quand on a évidemment les effets, il est aussi intéressant, évidemment, à un moment donné, de remonter à la ou aux causes des abus, et donc, pour le dire autrement, à l'origine même de ces abus, tout ce système qui a rendu possible ces abus dont on parle enfin maintenant. Et donc, je trouve qu'évidemment, nos deux échanges étaient parfaitement complémentaires, et j'espère qu'ils en aideront certains qui nous écouteront à mieux comprendre effectivement ce qu'est le bouddhisme tibétain en particulier, et les dérives et les raisons des dérives, comprendre le pourquoi. Voilà, Ouais, donc un tout grand j'espère merci à aussi. toi pour avoir pris Avec ce plaisir. temps. Merci, Merci Ricardo. pour l'opportunité. À À bientôt. bientôt. À bientôt.